Donc, c'est une fille qui est intelligente. Je ne pense pas qu'elle va sortir. Elle ne peut pas sortir. Elle est présentement en ligne. Et elle est en train de dire, elle sait que tu joues maintenant le rôle pour elle. Et elle a envoyé même les autres ex-amis de Ruby qui ont refusé. Toi, tu as accepté. Tu es la seule qui accepte. Les autres ont refusé d'entrer. J'espère que tu as Estrina, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait. Ce que mes sœurs sont en train de dire, là, c'est textuellement ça. Si tu as envie de clasher Ruby, tu clashes Ruby. Vous deux. C'est-à-dire que votre amitié à vous deux. Mais qu'on ne t'utilise pas. Parce que ça, là, tu n'as même pas besoin de beaucoup réfléchir. Tu sens que c'est toi qu'on a besoin d'utiliser. Ibrahim veut t'utiliser, Belle Bijou veut t'utiliser. Non. Nous, on ne dit pas que Ruby est sainte ni tous ou quoi que ce soit. Non. Personne ne peut même dire qu'elle est sainte ni tous. Parce que dans cette histoire, quand tu t'assois et tu écoutes, tu sens que quelque part, Ruby aussi a ses torts dans cette histoire. Bon, maintenant, si tu veux clasher Ruby parce qu'elle était ton amie, parce qu'on avait Vous avez eu une amitié ensemble. Si tu veux la tâcher, parce que peut-être Ruby a eu à dire des trucs que tu n'as pas Tu as tout le droit possible de le faire. Mais maintenant, que comme la grande soeur est en train de dire, que maman n'a pas intérêt, ne t'envoie pas clasher Ruby, ou bien que Ibrahim, qu'on ne t'utilise pas. Nous, on te donne le feu vert. Si tu veux clasher Ruby, un contenu, et tu la clashes, c'est tout à fait normal. Mais que tu ne sois pas le bouc émissaire. Parce que demain, comme mes soeurs sont en train de dire, maman n'a plus intérêt, on va te dire que tu causes avec elle, tu vas nier. Tu vas nier. Parce que le genre de personne, elle retourne très vite sa veste. Elle va t'insulter. Parce que nous, les Camerounais, on a là de l'invention. Ça veut dire qu'on va te créer des choses qui n'auront ni queue, ni tête. Toi-même, tu vas rester comme ça. Tu ne sauras pas où mettre la tête. Parce que tu n'as pas le cardio. Oui, parce que tu n'as pas le cardio. Parce que les réseaux sociaux, c'est le cardio. Et le cardio, là, aide toutes tes onces, sauf toi. Parce que toi, tu es très émotif. Une personne qui pleure rapidement, c'est une personne émotive. Alors, toi, tu vas seulement pleurer. Tu ne vas pas pouvoir supporter. Alors, comme les gens ont dit, si tu veux clasher Ruby, que tu clashes parce que tu es fâché, clash. Maintenant, on te donne l'autorisation là. Tu as le droit de le faire. Mais n'entre pas dans la manipulation. Ne sois pas le bouc émissaire. Non. Si, moi, toi, si on t'envoie les voices que Ruby a dit que, dis à la personne que si tu as quelque chose à dire à Ruby, va le lui dire toi-même. Ne m'envoie plus les voices. Point. Maintenant, si tu vois que Ruby a fait une sortie te concernant, qu'elle te parlait, alors toi aussi, tu as le droit et l'obligation de sortir une sortie sur elle. Ça veut dire que tu te lèves, tu réponds à Ruby par rapport à la sortie qu'elle a fait sur toi. Mais tu ne vas pas venir te placer sur Internet, tu vas répondre à Ruby parce que Pinterest t'a envoyé les voix. Hey, ma, tu es l'enfant de quelqu'un et qu'on ne t'utilise pas. N'accepte pas l'autre là. C'est ce que mes soeurs sont en train de te dire, c'est la pure vérité. Personne n'est en train de supporter Ruby. Quand tu penses dans toute cette histoire, quand tu penses vraiment, que ce soit Ruby, que ce soit Ibrahim, les deux là mangent de YouTube. Moi, j'ai un vrai travail dans la vraie vie, en fait. Amen. Un vrai boulot. Donc, mais eux là mangent de YouTube. Du coup, c'est leur travail en fait. Merci si tu comprends ça. Merci. Tu comprends donc que quelque part, eux ils sont en train de faire leur travail où ils vont gagner leur gagne-pain. Et toi, tu ne gagnes rien dedans. C'est pour ça qu'on dit que toi, tu es en train d'accomplir, qu'ils vont arrondir leur fin du mois. C'est la vérité. Toi, tu es déjà maman à Pitera. Tu comprends un peu. Et ils vont continuer à se nourrir de YouTube. Oui. Et quand toi, tu reprends, c'est comme si c'est la troisième personne. C'est comme si c'est toi qui es l'avocat de maman à Pitera. De maman à Pitera. Mais c'est sa raison et c'est ce qui se passe. Elle ne doit pas être dans ta tête. Quand tu ne dois pas être dans ta tête, tu la regardes et considère-la comme un vide en fait. Elle ne doit pas exister. Tu ne dois même pas voir ça. Tu ne dois même pas voir ça. Tu ne dois même pas voir ça. Parce que de base, elle te met en cause. Elle ne peut pas venir te voir en tant qu'ungulée. Elle te dit qu'elle t'envoie les voices de Ruby. Elle reste sur la base dans son mur. Et je te rappelle que, rappelez-vous de ce jour. Pinterest ne va pas sortir maintenant. Elle va sortir. Elle ne va pas sortir maintenant. Après, si peut taper même un mois, deux mois avant qu'elle ne sorte. Je vous rappelle, rappelez-vous de ce jour alors. Elle ne va pas sortir là maintenant. Et comme la grande chère dit, tout ce que nous on fait là, les vidéos, elle regarde tout. Les lives, elle regarde tout. Elle a un faux profil. Elle regarde tout. Elle enregistre tout. Alors, elle ne va pas venir t'envoyer le voice. On t'envoie que une. Et si elle n'a pas parlé, tu te lèves aussi. Puis tu viens parler jamais. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On ne va pas t'utiliser. Si tu veux clasher Ruby, tu clashes Ruby, tu as le droit, tu as été ami avec Ruby. Ce qui veut dire que si Ruby s'élève aujourd'hui, elle a dit quelque chose qui te fait mal au cœur, tu as le devoir et l'obligation de parler. Parce que tu veux répondre à ton escroc. Tu laves Ruby. Tu vas laver Ruby, tu vas laver Ruby. Même les réseaux sociaux vont applaudir. Mais que tu ne te lèves pas pour parler à la place de Pinterest, ma, nous seulement les Camerounais, on te prévient d'ailleurs que si tu penses que tu peux faire ça, ça va te dépasser.
Tu vas pleurer. Pinterest est ici en faux profil, hein. Et je te dis que Pinterest est capable de dire que tu étais en train de pleurer le bout de Ruby. C'est comme un chevet qui dit là, c'est vrai. Mais c'est ici, là, c'est la vérité. Elle est capable de t'inventer une histoire que je te jure que peut-être tu vas te déconnecter des réseaux sociaux. Ruby, elle m'a dit que Ruby m'avait dit que c'est pas vrai. Tu vas te lever aussi. Moi, j'avais dit ça. Ruby. Mon mari, tu ne vas pas croire. Une personne qui va prendre la photo du catéchère d'une autre personne est bien collée, dit qu'elle était malade. Ça ne te fait pas peur. Après, elle va dire que c'est Pinterest qui a pris sa photo. Ça, il faut savoir aussi. Elle va dire que c'est Pinterest. Non, c'est Pinterest qui a publié étant dans le jet privé et qu'elle a fait l'accident avec la Tesla. Tu n'as pas peur. Est-ce que là, quand tu dis qu'elle va dire que c'est Pinterest, elle a dit que je m'aime. Est-ce que là, quand tu dis qu'elle va dire que c'est Pinterest, c'est si tu as donc pu réfléchir comme ça, ma chérie, ça veut dire que tu as compris que tu ne dois pas te mettre dedans, ma puce. Clash Ruby, reprends à Ruby parce que ça a été ton ex-copine. Vous avez partagé. Quand tu es fâché contre une personne, et n'oublie pas les beaux moments. Tu sais, nous sommes humains. Nous avons des qualités, nous avons des défauts. Dans cette histoire, Ruby a tort. Dans votre amitié, Ruby a tort. Toi aussi, tu as tort quelque part. On ne peut pas jeter la faute à une seule personne. Il suffit juste que l'une de vous reconnaisse son tort et que vous avancez. Si vous décidez de vous clasher, vous vous clashez comme de grandes filles. Après, vous allez passer dessus. Parce que ici, sur terre, chacun a déjà connu un gourmet amical. Il n'y a pas une femme qui va te dire qu'elle n'a pas connu un gourmet amical. C'est impossible. Nous toutes, nous sommes passés par là. Mais le plus important dans cette histoire, c'est de tirer des leçons. Moi, en amitié, s'il y a une amitié derrière de trois personnes, c'est un problème. La troisième personne, on a l'habitude de dire que c'est le démon. Alors, si deux personnes, si une des deux autres personnes se gâtent, qu'on ne t'utilise, toi, la personne qui reste, qu'on ne t'utilise pas. Non. Et surtout qu'elle n'était même pas dans leur clan. Et surtout que tu n'étais pas dans leur clan, man. N'entre pas, ma puce. Tu as un mari, tu as des enfants, tu as un boulot. Tu n'y gagnes rien en venant dans des bad buzz. Tu n'y gagnes absolument rien. Je dis que maman a pu dire, elle est dégoûtée. Elle a les bombes de la Russie. Les voices, les messages, Ibrahim qui t'écrit. Ma chérie, tu n'étais pas l'amie d'Ibrahim, tu étais l'amie de Ruby. Tu n'étais pas l'amie de Belle Bijou, tu étais l'amie de Ruby. Alors, l'unique personne qui a le devoir, l'obligation de pouvoir te dire quelque chose, c'est Ruby. Le reste, ils n'ont absolument rien à te dire. Tu n'en as rien à cirer. Parce qu'on n'a pas comme ça que les êtres humains sont. De maman à Peter. Oui. Je vais te poser une question. Je vais un peu rajouter quelque chose, mais coucou. Vous voyez Stérela, si Stérela voulait poster les vidéos là depuis elle nous fait monter parce qu'elle veut qu'on parle. Si elle voulait vraiment. Elle ne peut pas, maman. Est-ce qu'elle a même posté ça depuis? C'est qu'elle a fait vidéo par vidéo comme elle avait commencé. Vidéo, est-ce qu'elle n'a pas le cœur là? Je suis, est-ce qu'elle a depuis? Elle n'a pas le cœur là. Je suis d'abord montée. Elle dit ça, non. Là, voilà, elle a monté. Après, elle monte deux personnes. Elle arrête. C'est pas nous qui faisons qu'elle arrête. C'est parce qu'elle-même, au fond d'elle, c'est que ça que l'engage là. Est-ce que elle a les remords? Par exemple, quelqu'un qui veut vraiment faire du mal. Tu n'as pas besoin de faire monter les gens. Elle n'a jamais terminé une amitié. Le genre qu'après l'amitié, il faut se clasher sur les réseaux, montrer tout ce que vous avez. Est-ce qu'elle n'est pas ce type de personne, messieurs? Elle n'est pas ce type de personne qui va venir, elle va sortir tes voices dans l'amitié, elle va te traiter. Est-ce qu'elle n'est pas ce type de personne là? Elle n'est pas elle comme ça. Elle profite juste du buzz pour choquer sa copine. Mais sinon, je fais ça pour dire, tu vois ce que tu es en train de vivre là. Moi aussi, je l'ai vécu. Moi aussi, j'ai vécu ça. Voilà. C'est pas bon. C'est tout. Mais ok, regarde. Fais ça, non. Mais sans faire écouter les voix de la sorcière, maman. Oui. Si tu peux seulement te moquer, même le là, tu ris, moi, même venir rire. Mais ne fais pas écouter les voix de l'autre. Là, parce que c'est les voix, ma chérie. Mais moi, je comprends. Tu veux te moquer d'elle. Tu veux aussi qu'elle ait mal comme tu as eu mal. Oui, ça, c'est clair. Mais en jouant les voix de l'autre, tu es vraiment. Donc, si elle passe par là, tu as envie. Votre amitié est inachevée. Vous tous, vous avez encore gourmet. C'est comme si c'est votre orgueil qui vous a séparé. Parce que c'est comme si. C'est pas que c'est comme si, Mercedes. Mercedes, c'est là l'orgueil. Elle n'est pas facile dans l'amitié. Moi, je suis quelqu'un de très gentil, je me rabaisse. Mais Ruby n'est pas facile, vous la voyez là, elle n'est pas facile. Moi, je ne supporte pas Ruby. Tu n'es pas facile. Quelque part aussi, toi-même aussi, est-ce que là, tu n'es pas facile. Bien sûr. C'est comme ça, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Chacun de nous a ses qualités et a ses défauts. Le truc avec Ruby, hein, je vais vous dire, hein, parce qu'il faut que vous regardez aussi. Ruby,
elle dit que oui, on gratte l'amitié et tout. Mais même si, imagine, même si on vient gratter l'amitié, elle dit qu'on la paye pour qu'elle soit notre amie. Mais quand on va partout, c'est on paye, on va en voyage chez nous qui paye. Comme elle a l'or, elle a l'or, elle est quoi? Comme si c'était notre... On va à Dubaï, je paye. En fait, c'était réellement ça. Et elle va aller chercher Tessora pour que Tessora vienne parler, des trucs comme ça. Mais elle est Tessora là. Elle est guyanaise. Ah, ok, Mazarin, elle ne savait pas. Ah, en tout cas... est-ce que la mère... Attends, je ne sais pas qu'elle était de Guyane, Mazara. En vérité, tu sais, Ruby, dans votre amitié, si elle a... C'est-à-dire qu'on peut étouffer quelqu'un à son direct comme ça, les amis. Voilà comment on a encore étouffé la femme, si. Elle dit, ah, j'aimerais bien aller dans ce voyage, ou bien, oui, viens avec... Il faut qu'on paye. Non, mais tu... Voilà, et si tu l'as fait ça, maman, tu as même ses mots. Voilà. Voilà, ça veut dire que c'est une fille d'Ungori, elle est gratuite. Ça veut dire que tu peux... Mais c'est pour cela que Kento prend tout ce que Ngossa fait et m'insulte avec, non? C'est ça, la vengeance. Tu es là où tu peux la battre, non, maman? Voilà. Utiliser les voix, c'est inutile. C'est ça. Les gens font les sorcelleries. Ah, ok, Mazarin. Elle vit la vie des rêves dans les poches des gens. Voilà les mots que tu dois utiliser. Vous voyez? Alors que toi, tu as même les bails réels pour tuer Ruby. Tu as fait la palabre de maman à Piteresse. Vous qui êtes dans les commentaires en train de dire que les Camerounais sont en train de t'infantiliser, fais-les descendre là. Comme vous avez trop le cardio, montez ici là. Montez alors. Là. Vous ne montez pas pourquoi. C'est toujours comme ça que vous les abonnez. Vous voulez couper les têtes des gens. Vous allez là en train de voir que les gens sont en train de parler. Vous allez pas me sortir les poches là. Vous allez pas me sortir les poches là. Vous allez pas me sortir les poches là. Est-ce qu'elle ne va pas sortir les voices là? Vous voulez toujours manipuler les enfants des gens. Elle ne sortira pas les voices là. Maman. Elle ne sortira pas ça. Mais les gens qui vont jouer ce voice vont jouer les voices dans leur guerre. Est-ce qu'elle a sa guerre? C'est ce que vous ne comprenez pas. On peut étouffer les gens comme ça. Bonsoir à tous. Bonsoir. Erika Mazaria. Les filles, la plupart des voisins qui sont là, c'est des Camerounaises. Vous trouvez normal ce que vous faites? Est-ce que vous trouvez normal? On a fait quoi? Non, dis-nous, c'est comment vous trouvez normal. Je vais finir de parler, puis vous allez parler. Vous êtes des Camerounaises. Souci Stella ou bien avec Ruby là. Vous êtes censé apaiser, peu importe le comportement. Vous êtes censé apaiser. Et puis, ma chérie Stella, je ne suis pas trop d'accord avec toi parce que le fait que tu dis que je paye là, tu vois, fait que peut-être il y a certaines personnes qui t'aiment là. Il y a des gens là qui sont en amitié mais qui payent. Coucou Inès. Mais c'est parce qu'ils ont envie. Laisse-moi parler de ça, ça ne se fait pas au fait, ma chérie. Tu vas donner une autre image de toi. Peut-être que tu es une personne gentille, vraie, mais le moment que tu dis ce que tu fais là, c'est pas vrai. Et puis toutes les Camerounaises qui sont assises en bas en train de parler, je suis d'accord avec toi. Vous n'aimez pas Ruby, vous aimeriez bien être. Ah, pardon, règne, pardon, règne, tu es en train de rien, si tu peux te faire voir. Baby, je t'ai en direct, Mazaria, elle n'a rien dit de bon. Je te dis qu'elle est Rodrigo, je yamou le soco. Ouais, elle est Rodrigo, ça finit avec moi. Seigneur Jésus. Mazaria, on me demande de partir à TikTok pour avoir la carte ici. Mieux, je reste moi sur Facebook. Je suis à fleur de peau. Moi, je pleure à tout moment. Vous voyez ça? Hey, Mazaria. Écoutez TikTok, comment c'est? Hey! Mais vous êtes jaloux de vous.
sorcières camerounaises. Mais vous ne pouvez pas le dire, mais regardez. Madiana, Chumazaria, je vous vois là sur TikTok. Regardez un peu la folie qu'il y a là-bas. Écoutez la folie. Ah, Baza! Reine, s'il te plaît, reine. Qui est nas, quoi, la reine, on va parler. C'est la folie, comment ce moment. Parce qu'elle ne comprend rien. C'est une illettrée. Attendez, elle est fou, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez un peu lutter? Les filles, est-ce que vous pouvez... Elle est comme un enfant qu'on a sacrifié dans sa famille. Attention, est-ce que vous pouvez lutter au micro, s'il vous plaît, pour 5 minutes, les filles, s'il vous plaît. Reine, je crois que tu es dans les commentaires. Tu sais, Reine, nous sommes toutes camerounaises. Et je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Je vais prendre point par point. Je vais commencer par le point 1. Massa. Hey! Je te jure, Madiana. Comme un être humain. Ça veut dire que ici, dans ce live, il n'y a pas question de que camerounaise, tchadienne. Nous sommes toutes des femmes. Nous sommes toutes africaines. Alors, on se met à la place de l'autre. Voilà. Ici, là, on n'a jamais dit à Estrée, là, de clasher Ruby. Est-ce que là, qui est là, là? On est capable de lui dire, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Après, quand on va descendre de son lave, elle va faire ce qu'elle veut, en fait. Nous ne sommes pas ses parents. Nous sommes des plus inconnus qui lui donnons des conseils. Voilà. Maintenant, Reine, tu dis qu'on jalouse Ruby. Mais attends un peu, ma chérie. Je vais prendre dans mon cas. Je ne connais Ruby ni d'Adam ni d'Ève. Les réseaux sociaux, c'est... Moi, j'utilise les réseaux sociaux pour me divertir. Je ne vais pas jalouser Ruby parce qu'elle ne me sert absolument à rien. Elle ne me donne rien. C'est pas elle qui paye. Elle n'a rien dit que c'est la dépression. Elle est un personnage public que j'apprécie. Je ne peux pas jalouser une personne que je ne connais pas. Je n'ai jamais vu Ruby depuis que je suis née avec mes deux yeux. Je la vois sur Internet. Alors, quand tu trouves des femmes quelque part, s'il te plaît, avant de t'enflammer, parce que je peux comprendre que tu soutiens Ruby, c'est de ton droit. Mais ne viens pas nous attribuer des trucs qu'on ne pense pas. Parce que honnêtement parlant, on ne peut pas jalouser une personne qu'on ne connaît pas. Jalouser Ruby ne va rien nous apporter dans nos comptes bancaires, en fait. Détester Ruby ne va rien nous apporter dans nos vies. Quand est-ce que là qu'on a commencé son amitié avec Ruby, nous n'étions pas là. Donc, quand ça va même encore reprendre, nous ne serons pas là. Alors, motiver Estrée là de cacher Ruby, ça peut rien nous apporter, ma belle. Tu peux pas monter dans un live, tu te mets à un... TikTok, maman. Matin, parce que je te connais pas. C'est comme si je marchais et un fou m'insulte alors que je connais pas le fou. Je suis désolée. Ton droit de supporter Ruby, tu as tout à fait raison. Mais s'il te plaît, la fille qu'on appelle Estrée là, c'est un être humain. Je pense que tu as écouté la version de Ruby, mais tu n'as pas écouté la version d'Estrée là. Alors, même dans un procès, je pense que les deux parties s'expliquent. Je t'assume, Azaria. Quand tu montes dans le live d'Estrée là, tu commences à gronder, tu commences à dire que premièrement, Estrée là, elle-même, en fait, tu ne veux pas l'écouter. Tu ne veux pas l'accorder le bénéfice du doute. Ça veut dire que tu montes avec l'intention de dire que c'est Ruby qui a raison et point. Je suis désolée, ma chérie, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand une histoire vient quelque part, tu as le droit et le devoir d'écouter les deux personnes avant de prendre une décision. Ici, là, aucune de nous n'a dit que Ruby est mauvaise. Aucune de nous n'a insulté Ruby. Je pense que jusqu'aujourd'hui, si on est encore là... Et maman dit que va conseiller ta famille les injures de ça. On est en train d'empêcher qu'on expose notre soeur camerounaise, comme tu veux dire. Comme tu as parlé des camerounaises et qu'on sommes toutes camerounaises. Oui, madame, je veux bien te dire que quand tu chies quelque part, tu dois ramasser ce que tu as chié. Oui, madame, c'est comme tu passes un peu ma peau. Arrêtez d'accepter du n'importe quoi. Depuis que Ruby a fait les sorties, elle a parlé. Il y a une partie qui lui a donné raison. Il y a une autre partie qui dit qu'elle a tort. Et c'est comme ça la vie. Tout le monde ne va pas fonctionner comme toi, tu veux, Reine. Tu ne peux pas monter dans un live, tu veux monopoliser le live en insultant. On se retrouve dans le live des CA, on essaie de partager deux mots ou trois phrases. Vous prenez tout le monde, vous ménagez dans un seau. Tu connais à qui tu t'adresses, tu connais pas à qui tu t'adresses.
Alors, si tu montes un live parce que tu veux t'exprimer, parce que tu veux dire que ta soeur Ruby ou bien tu supportes Ruby, c'est de ton droit. Tu as l'autorisation de supporter qui tu veux. Mais je te donne l'interdiction d'injurer les gens que tu connais pas. Je suis désolée. Tu n'insultes pas. Mais vous l'avez laissé. Parce que tu ne connais pas qui est qui. Mais arrêtez un peu un bout. Ah bon? Elle est Rigo. Elle a perdu. Elle a gagné cette tata naïe. Ouais, Ngosa. Elle m'a bloqué, non? C'est une drôle, maman. Quand il faut que je vois, s'il faut que je la voie. Maman, donc même vous aussi vous buguez. Hein? Même TikTok aussi bug. vraiment Facebook. TikTok aussi bug. Maman Sarah. Tu vois, il y a une Camerounaise, ils veulent venir se sentir. J'ai affaire, là, on va enregistrer, on va entendre que une ivoire est en train de crier. Ça ne craint pas ici, vous n'êtes pas la voix que quelqu'un. Nous sommes dans ce live. Nous sommes dans ce live depuis hier minuit. Moi, personnellement, je n'ai jamais dit à cette fille que maman, clash Ruby, sort les voix de Belle Bijou, Belle Bijou a raison. Non, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Au contraire, ceux qui sont là dès le départ connaissent. Ceux qui sont là dans le départ savent que on est en train de dire à la fille si que maman, pardon, si tu veux clasher ta copine par rapport à ta vidéo qu'elle a fait sortir, sans entrer dans ce problème. Maintenant, ceux qui sont en commentaire, qui pensent que nous sommes là parce que... J'ai des choux, c'est Gringa qui insulte Satana. Vous n'allez rien me faire, vous n'allez rien me dire, j'ai le cardio, j'ai la bouche. Ouais, donc, quand vous m'insultez, là, sur son live, il m'appelle, moi, je vais venir. Et c'est tout. Et puis, ça ne voilà. Pas. Comment il parle? Comme vous êtes dans les commentaires, vous connaissez beaucoup écrit. Montez pour parler, on va parler. Montez pour parler. Un moment, montez pour parler, on va parler. Ne pensez pas parce que vous devez faire les moutons où il ne faut pas. Tout le monde fait les moutons. Depuis là, écoutez, on peut envoyer une invitation à quelqu'un. Elle est libre d'accepter ou de passer. On n'a pas protesté là d'accepter notre invitation. Moi, personnellement, j'avais mon invitation, je l'accepte, donc j'ai le droit de parler. Donc tu peux aussi envoyer ton invitation, tu viens parler ce que tu as parlé, sans insulter les gens. Donc elle est montée, elle a commencé à créer, j'ai le droit de lui répondre. Elle ne détient pas le monopole de la parole, de sa voix. C'est comme ça, elle est personne, elle ne traite jamais personne. Les amis. Moi, on ne parle pas fort parce que moi-même, j'ai la voix. Et je suis insolente. Voilà. Maintenant, moi, je vais te dire. Si tu veux publier les vidéos, vous passez dans les réseaux sociaux, si vous passez dans les réseaux sociaux, si vous avez le droit. Je vais rajouter encore ce que Kamé a dit. C'était dit que Majad. Toi-même, tu le sais, depuis, on ne fait que parler, mais tu détiens. C'est toi seul qui a ta. C'est toi qui, qu'est-ce que je veux dire, c'est la décision te revient, donc tu fais ce que tu veux. Mais toi, au fond de toi, tu sais, même Bradis apparemment te connaît très bien, te l'a dit, et tu n'es pas comme ça. Mais maintenant, c'est que tu veux faire ça, tu veux entrer dans ce bad buzz, tu entres ça avec tes pieds, tes mains, ta tête, ça ne nous concerne pas. Mais si tu lances toujours un live et que je peux monter, j'envoie ma demande, tu me prends, je vais monter, je vais parler. Ouais, et puis ça chauffe pas, c'est pareil pour moi. Ouais, hé, le Greek, oh là là. Mais à un moment, il faut arrêter. Parce que c'est votre soeur camerounaise. Il faudrait que non, vous dites que. Donc, il faudrait. Elle était en direct tout à l'heure, Jade, mais elle n'a rien dit. On doit tuer, est-ce que là, parce qu'il s'agit de votre soeur camerounaise. Vous êtes même normal là. Les camerounaises sont comme ça, non? Ah, oh, et au fait là, non? La fille qui est montée avec ma reine, non? Oui. Oui, fait, en une partie, elle pouvait parler normalement, elle insulte. Voilà, c'est parce que la fille, elle insulte. Sinon, serait là, ce que la fille dirait, non, normalement, là, c'est comme toi, serait là, si toi, tu as fait des histoires avec nous, les Ivoiriens, comme ça, et puis moi, un Ivoirien fait live, et puis toutes les Guyanaises viennent dans son live, même si c'est pour te défendre, là, tu vois que ça... Ça ne présente pas beau. En cas, non, nous ne sommes pas comme ça, moi, papa. Non, en fait, tu ne m'as pas compris. Tout le monde n'a pas la même manière de voir les choses. Regarde, chouchou, votre phrase de que Ivoirien d'abord, nous les Camerounais, nous ne sommes pas comme ça. Tu as le démon, on t'expose. Je suis désolée. Vous avez trop l'émotion. Nous ne sommes pas les histoires de que comme tu es Camerounais. Parce qu'elle est Guyanaise, on va lui dire que. Non, c'est pas ça. Nous ne sommes pas comme ça. Nous les Camerounais, on est les bad boys depuis longtemps avec les Ivoiriens. Est-ce que tu vois les influenceurs camerounais? Se placer, faire les lives, faire les vidéos, faire X ou Y. Chacun gère son cadeau. Attendez, chacun parle aussi. Je parle aussi. Vous comprenez, non? Voilà, ça y est, là, moi, je ne vais pas te mentir. Ça arrive que vous pouvez monter peut-être une personne, mais deux à trois personnes, c'est limite. De toute façon, moi, je vois là, je vous vois, de toute façon, les autres voient là. C'est comme si vous encouragez Stéphane là à faire ça. Il sait que votre intention, c'est pas comme ça. Mais quand les gens vont vous voir, les gens ne prendront pas le temps de réfléchir. Ils vont dire, ah, mais comment Stéphane est en train de parler de Ruby qui est camerounaise? Et puis,
les Camerounais sont beaucoup dans ce live. Moi, c'est ce côté que je parle. Tu comprends, non? Voilà, ah, en fait, c'est pas beaucoup. Je comprends, oui, je comprends. Et quelque part, quand même, tu as raison. Je comprends. Voilà, voilà. Ici, au fait, si c'est une personne, oui. Mais quand c'est beaucoup, c'est comme de l'acharnement, limite là. Vous ouais. Nous sommes en train de dire à Serra de ne pas jouer les voix. Qu'est-ce qu'on a dit de nous? Parce que, donc, parce que je suis un Camerounais, je ne dois pas venir dire une vérité, par exemple. Je pars, je ne fais jamais un live. C'est la première fois qu'on m'accepte dans un live. J'aime souvent monter. Mais ça, on n'a jamais dit ça. Nous sommes juste en train de dire que ce qu'elle est en train de frapper n'est pas bon. C'est elle qui lâche sa copine. Hé, Marozano. Mélanger les choses, c'est tout. Non, elle est où, mais... Est-ce qu'on t'arrête soit demander de... Mais... Franchement, Goussa, ton cas est difficile, vraiment. Ton cas est vraiment difficile. C'est la première fois qu'on m'a fait dans un live, donc merci, Thierry, là. Tu es quelqu'un que j'ai connu derrière Ruby, donc... Voilà, je te suis pas trop pour dire vrai, parce que je n'étais pas trop TikTok, mais je t'aime bien et je vois que ça doit être ton mari. Tout ce que moi je veux dire, ce n'est pas question de Camerounaise, de Congolaise, de Guyanaise. Mais Marozane, c'est juste être quelqu'un de vrai. Ça, c'est même pas la peine. Voilà. Même moi, vous me criez dessus, vous me dites oui, il ne faut pas faire ça. Même hier, elle m'a parlé, m'a parlé, arrête ça, j'ai écouté. Tu vois, voilà. Pourtant je suis pas camerounaise, mais elle m'a dit d'arrêter, tu vois, dans la vie. Exactement. Fais selon ta personnalité. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas les problèmes, franchement, ne poste pas. J'ai des problèmes. Parce que en même temps, si tu fais ça, tu vois, que tu le veux ou non, même si tu es quelqu'un de bien, les gens vont également te voir autrement. Même les gens, je cache pas des gens, je parle pas des réseaux sociaux, hein. Les gens autour de moi. Parce que si moi j'ai une amie, elle a un problème, je sais que c'est quelqu'un de bien, mais qu'elle savait qu'un jour, elle est pote également, elle a une autre pote. Après, bien sûr, les gens pour parler. Moi, particulièrement, je vais commencer à douter. Je vais me dire que, ça suffit que demain, même si on est pote aujourd'hui, demain, elle peut faire pareil. Donc, moi, je dis, reste sur tes principes. Moi, c'est ce que moi, je ferais. Reste sur tes principes. Si tu vois que c'est pas toi, alors, laisse-les gérer leurs problèmes. Continue à faire tes choses. Les gens t'aiment comme tu fais là. N'entre pas dans les faux buzz. Et en fait, c'est ça qu'on est en train de dire ici depuis. Moi, maman, là, tu parles doucement comme ça, ma Rosane. C'est ça que tu parles doucement comme ça, ma. C'est que quand quelqu'un te frappe, la personne te frappe. Non, il fallait sortir les voix. Il faut sortir les voix. Sors les captures. Sors les captures. Je dis que je ne montre rien. Je ne sors aucune voix. Pas de capture, voilà ça. En gros, me salir pour vous montrer le vrai visage de qui est qui. Maintenant, clash, maintenant, Tatana. Tatana va te répondre. J'ai confiance à Tatana. Elle va te répondre propre, Ngosa. Elle va te répondre, t'inquiète pas. Nous tous, on a eu des amitiés comme ça. Nous tous, on a eu des amitiés comme ça. Donc, sauf que ces personnes ne sont pas sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'ai des amitiés comme ça, des amitiés de dizaines d'années. Ah bon, Mazaria? Même mes amis proches ne sont pas au courant. Parce que je me dis, c'est ça l'amitié. En fait, moi, c'est ma conception. Je me dis, si ça finit, c'est fini. Chacun prend sa route. Tu auras ton expérience avec quelqu'un d'autre. Si vous vous gâtez, c'est votre problème. Mais les voix, tout le monde me dit, non, ne publie pas, tu vas être marionnette et tout. Je vais être méchante un peu. Je suis désolée, hein. Je suis désolée, je commence à vous dire. Mais je vais publier un peu ceux de Ruby. Parce que j'ai publié que ceux de Belle Bijoux. Non, après, c'est toi qui décides. Dans les voix de Ruby, elle parle de toi. Même si je vais passer pour la méchante, vraiment, hein, en fait, je suis arrivée à un niveau de non-retour, en fait. C'est-à-dire, moi, les gens ne savent pas ce que j'ai. Moi, je comprends que Serena est déjà en mode vengeance. Tu sais, ma grande. Ok, bon, je vais descendre alors. C'est ce que je voulais. Mais est-ce que dans les voix, ce que tu veux publier de Ruby, elle parle mal de toi? Moi, c'est ma question. Est-ce qu'elle parle mal de toi dans les voix? Est-ce que Ruby parle mal de toi? C'est Kento 2 là-bas. C'est Kento 2. C'est Kento là-bas. Moi, c'est pour ça qu'elle parle depuis. C'est ma question. À un moment donné, il faut un peu revenir à la logique. Que moi, j'arrête de faire de dos. Moi, je comprends maintenant. Ouais, elle me dit, voilà, ça va. Tu comprends, Serena est à mort, qu'elle a trop eu mal. Elle dit qu'elle a trop eu mal, elle est à mort de vengeance. C'est ça, ma Rosane. C'est ça qui m'énerve là. Elle est rouge. Arrête de dodo. En direct, va faire dodo. C'est pourquoi elle essaye au maximum de dire que entre le problème. Moi, en tout cas, je ne vais pas rester pour pouvoir faire ça, maman. Pardon, c'est trop ridicule, personnellement.
Elle va le faire, dire qu'elle va, elle va écouter le Ruby. Parce qu'elle a la rancune avec Ruby. Laissez-la, laissez-la faire. Non, Brad, en fait, toi, tu sais ce que j'ai vécu pendant 2 ans, tu sais. Non. Non, au fait, non, moi, je te comprends très bien. Moi, je comprends pas que tu as le poids avec quelqu'un. Tu parles des choses de quelqu'un, c'est comme si moi, je ne sais pas en fait. Moi, je réponds avec quelqu'un, je m'en vais me venger, je ne sais pas. Non, c'est là, tu peux me le retirer, je ne sais pas comment descendre. Estella, tu vois. Tu es une grande personne, moi, je me suis en train de partir. Tu es une grande personne, moi, j'ai compris que tu as envie de te venger de tout ce que tu as subi et c'est ton droit. Estella, ma belle, je pense que Brad te connaît mieux que nous à ce que je vois. Ma chérie, même Brad qui te connaît, il est en train de te parler en te disant de me suspendre. Elle ne peut pas, elle a mal. Il faut qu'elle sorte ça. C'est pas ça que ça va lui apporter, mais. Moi, c'est là déjà, elle et puis moi, avant qu'elle va sortir, j'ai déjà parlé avec elle. Mais comme je vous dis là, ce sont les personnes qui sont proches de Cyril là qui peuvent savoir la relation qu'elle avait avec Ruby. Voilà. Parce qu'on entend, on parle de plusieurs choses. C'est comment ça me fait mal. Deux amis, il y a des personnes dans la. Dans, les choses, non. Jean, dans vos deals, non. Vous, ils nous sentez trop rubis, non. Limite, non. Moi, non, et au fait, non, je vous comprends, mais je vous dis, là, non, non. Au fait, je vous comprends, mais de base, là, non. Moi, ça m'a fait un peu bizarre parce que. Oui, c'est l'Africaine, mais de base, elle est bien. Non. Non, et si, au fait même moi, chez nous, en Côte d'Ivoire, là-bas. Mais je crois que c'est ça, Mazaria, elle veut gratter le buzz. Ça la concerne en quoi, là? Tu as bien posé la question que, pourquoi tu aimais qu'elle divorce? Est-ce qu'elle prononce ton nom? Même les Guyanais, c'est pareil. Mais la Camerounaise, ce n'est pas comme ça, là, c'est pas du fait. Non, les Camerounaises. C'est pas de la nationalité. Est-ce que chez vous, c'est d'abord ivoirien, d'abord, vous, c'est la raison, d'abord. La raison. Oui, parce que c'est elle qui va être la perdante dedans plus tard. Vous, c'est la raison. La raison existe. Je comprends, non. Est-ce que c'est la vie qui existe? Une femme comme vous, c'est pas sans vous perdre. Je l'ai vu parce qu'elle est utilisée. Elle est en train d'être utilisée. Je n'ai jamais vu ce genre de raisonnement. Sans parler, ça veut dire que ce n'est pas de sa mentalité. Mais si elle est encore là, présentement pour se venger de Ruby, je vous promets que Stérella va être perdante. Elle va être perdante. Hey. Les Camerounais, quand on veut te faire le retour, on ne blague pas. Peut-être que même dans ton foyer, elle aura les problèmes. C'est un fait. C'est comme ça. Nous sommes mauvais. On a mal parlé. Madame Mercedes. Et ils ont dit, ils ont tout dit. Et les voices qu'elle veut publier, on lui a dit que est-ce que dans les voices, il y a le nom, est-ce qu'il y a son nom dans ces voices-là? Oui. Si tu veux publier, publie donc juste les pages. Exactement. Dans un des voices. Nous, on va les like, what's going to happen. Dans un des voices. Dans un des voices. Belle Bijou parle de moi dans un des voices. Ok, quel voice c'est le nom dont je. Attends un peu, ma belle. En fait, j'ai dit, vous savez pas, en fait, donc là, vous m'incriminez dans un des voix. Belle, je parle de moi. On est en train de te protéger parce qu'on se dit, si c'est toi, tu entres au milieu là maintenant, c'est toi qui va maintenant être là, le boost est mystère, c'est ce qu'on est en train de vouloir te dire, que même si tu veux te marier de Ruby, ma princesse, ne te mêle pas de ce qui se passe entre Belle Bijou et machin, les voices qu'on a envoyées. Est-ce que là, ma belle, je sais au fond de toi que quelque part, tu es indécis. En fait, tu ne t'es pas encore décidé réellement si tu veux publier le voice ou pas. Je sais ça. Mais je vais te dire quelque chose. La vengeance est un plat qui se mange au froid. Tu comprends, hein? Effectivement. Tu as dit, je te reprends, hein? À te dire, tu as dit dans un des voices, il y a un voice où Belle Bijou parle de toi. Ma chérie, ok, on va aller sur ta lancée. S'il y a l'un des voices où Belle Bijou parle de toi, pourquoi tu ne vas pas répondre à Belle Bijou en IB? Pourquoi tu ne lui réponds pas à IB de la partie où elle parle de toi? Elle veut le buzz. Voilà qu'elle a 2200 personnes à cause qu'elle parle de l'histoire de Ruby et de Belle Bijou. Voilà qu'elle a 2000 personnes. Qu'est-ce que vous voulez? Belle Bijou était en direct tout à l'heure. Langa, elle l'a insulté là-bas, elle est quota. On a insulté Belle Bijou dans son direct. Oh, maman, oh, je n'ai jamais vu ça. Elle ne gérait personne, maman. Les insultes de ça. La meuf n'a répondu personne. Elle a fini de faire son.
sa promotion. Les amis, elle a fini de faire sa promotion, Après, elle a coupé Baby Jou. Elle a lancé au direct tout à l'heure. Elle était à plus de 1200 personnes. Maman. On a insulté la fille. Elle n'a répondu à personne. Attends, bravo. Bravo. Tu me connais mal. Moi, aller en inbox pour parler à Belle Bijou. Tu me connais mal. En tout cas, c'est que moi j'ai compris ce que est-ce que là. Juste là, tu n'as pas compris ma question. Je vais la reposer encore. Tu dis dans un des voices, il y a une partie où Belle Bijou parle de toi. La personne qui t'a envoyé les voices, c'est Ibrahim, non? Hein? Oui. Voilà, maintenant je parle toujours sur ta lancée. Est-ce que la partie où Belle Bijou parle de toi, quand tu vas mettre ça ici, qu'est-ce que ça va t'apporter? C'est ça le problème. Je veux savoir. C'est ça. Qu'est-ce que ça va t'apporter? La c'est partie ça. Où Belle Bijou parle de toi, quand tu vas publier ça ici sur le méta, franchement, quand l'amitié est finie, je veux savoir. Vraiment, la vengeance est tellement d'une, je sais pas. Ta vengeance, c'est envers Ruby. Mais sauf que la partie que. Tu veux publier, c'est la partie où Belle Bijou a parlé de toi. C'est pas Ruby. Ma chérie, Ma belle. J'ai une question, Estrella. Est-ce qu'avec Ruby, tu vois que c'est un chemin du non-retour? Genre, il ne peut plus avoir une vraiment une réconciliation. C'est ça. C'est comme si on me demandait de partir avec Kento. La façon dont ça a charné sur moi, là. Attends, d'abord, je termine. C'est vrai. Les femmes la raison bien, Mazaria. Qu'est-ce que vous en pensez? Attends, je termine. Elle veut publier, Mazaria. Elle veut. C'est pour gratter le buzz, je suis d'accord. Je te pose juste une question. Est-ce que dans tout ce que tu as vécu avec Ruby, que ça soit en bien comme en mal, est-ce que tu trouves que tu as déjà de la haine contre elle dans le cœur? Est-ce qu'il n'y a pas un chemin du non-retour? J'ai pas de la haine, j'ai pas de la haine. Ça veut dire qu'il peut avoir une procédure. Attends d'abord, je finis. Il peut avoir une procédure. Mais pourquoi tu veux mettre ça alors? Ça va t'apporter quoi? On t'a posé la question maintes fois. Ça va t'apporter quoi de mettre maintenant alors le voice là alors? Sur ces vidéos, écoutez bien les vidéos à quoi elle parle. Serré là, tu as dit que tu m'aimes, tu es vicieuse. Tu es vicieuse. Mais maintenant, je vais lui montrer que je suis vicieuse. Ok, ça veut dire que tu es amoureuse, que tu veux te venger. Voilà, c'est tout. C'est tout. Elle veut se venger. Moi, je suis d'accord. Mazaria a raison. Comment tu vas, Zazijou? C'est ça que je ne fais que te dire même que... C'est tout. C'est ce qu'on a fait de dire avec Zaria, Madariana, là, qu'on la laisse faire. Elle a envie... Oh, ils ont fini de parler, là. Elle va mettre les voix, là. Elle perd leur temps, là. Bonsoir, parce qu'on a parlé au téléphone tout à l'heure. Bonsoir. Tu dis... Excuse-moi, Stérella. Tu dis... Tu veux sortir les voix parce que... Ruby aurait parlé de toi. Bref, parce que les voices auraient parlé de toi. Pourquoi tu n'as pas sorti ce voice-là depuis hier quand Ibrahim te l'a envoyé? Te l'a envoyé. Vous voyez ça? Vous entendez, Zazie? Je viens de causer avec ton téléphone. Mazaria, vous entendez? Je passe sur ce terrain-là. C'est pas qu'on défend Ruby, non. On veut la justice. S'il fallait, si tu venais en hier, on allait te défendre. Voilà. Mais tu viens maintenant parce que tu veux profiter du buzz. Oh, Mazaria, pardon. On ne sait même pas des problèmes qui... Mazaria, pardon. Laisse même que les histoires de Guyane, nous sommes tous des êtres humains et des femmes et des grandes personnes. Non, c'est pour dire que quand il y a les choses là-bas, on ne s'en mêle pas. Pourquoi venir vouloir gâter le pourquoi vouloir mettre le sable dans le taquet? C'est pas gentil ce que tu fais, hein. Il fallait sortir les voix là en chien, pas maintenant. Je ne suis pas comme ça, je ne vais pas aller sortir les voix alors que Ibrahim voulait m'utiliser à ce moment-là. Mais c'est maintenant que je sens le moment de les mettre. Parce que tu vas sortir les voix. Tu vas raqueter les abonnés. Bon, on a fait un loi. Mais là, on insulte en plein. Amitié obligatoire. Mais là, on a fait un loi. 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 M
Ma chérie en plein direct. On te l'a en un boy long. Mais c'est ouais. Que quand Ibrahim m'a envoyé les voices, je voulais pas montrer les voices à ce moment-là. Parce que j'ai vu que ah, le gars il veut me manipuler. Vous comprenez pas quand je parle. Oui, je comprends. Mazaria, oh. Mazaria, pardon. C'est le méta. Terella, on comprend, on sait que ce que tu veux faire, au fait, tu veux montrer, au fait, que Ruby, c'est une manipulatrice, on le sait très bien. On essaie de te protéger, c'est juste en te disant que si tu veux répondre à Ruby ou quoi que ce soit, évite de te... Aïe, elle continue à insulter en bas, hein. Et boit les langues. Elle dit de répondre, non, pas du tout. Pas du tout. La meuf, continue, on l'a fait on a descendu. Elle continue à insulter en bas. Ah, dama, tu viens de le dire que quand tu l'insultes comme ça, ma, il boit les langues, on touille les langues. On peut faire ça. Elle a bien fait de faire descendre. Mof, tu peux venir insulter qui dans le direct de qui? Ta copine, c'est ta copine. Je t'ai demandé si ta copine et toi, dans ton fond intérieur, tu ne vois pas le chemin du non-retour. Ça veut dire un chemin de réconciliation, un chemin où vous arrêtez, vous vous expliquez comme du monde. Donc, je te le rappelle, tu te rappelles quand tu venais m'envoyer des messages sur Instagram ou bien quand tu venais... L'engagement, il est voice. Franchement, j'aime ce que tu fais. Je te suis depuis que l'occasion a des filles. Eh, bébé, tu puisses. J'ai tellement fait. Celle qui avait vu ta fausse, c'était là dès le début. C'était mon ex-copine qui m'a dit que la fille, c'est non. Quand tu vois une personne trop gentille comme ça, là, il faut se méfier. Et comme moi, je suis toujours perturbée par la gentillesse des gens. Mes prières ont marché. Le démon est sorti. Tu peux tellement rigoler. Tu sais pourquoi je suis venue te faire des menaces sur les réseaux sociaux? C'est parce que je voyais que je te connais. Je sais que tu es tellement ridicule. Tu es tellement sans état d'âme. Et que tu allais venir t'afficher comme une idiote. Et comme je n'ai pas envie de t'afficher, j'ai voulu te demander de te calmer parce que tu sais que si je veux parler, même les voix, surtout les messages que tu m'as déjà envoyés là, je l'aurais fait. Je t'aurais affiché. Je t'aurais affiché parce que dans cette histoire, c'est toi qui as tort. C'est toi qui as tort. Tu es parti insulter Aïcha Kamoise. Aïcha ne t'a rien fait tellement tu es en quête de visibilité, en quête de Moustamania. Hein? Personne ne te calcule, meuf. Dans ta tête, tu crois que tout le monde est autour de toi. Les gens sont fiers de toi. Même moi aujourd'hui, je suis fière de toi. Mais personne ne te jalouse. Et tu es persuadé que... Elle a fini par mettre les trucs, hein, Mazaria. Elle a fini par mettre les voices, hein. Que non. Tout ce que les filles ont bavardé, la langue n'a pas suivi, hein. Vous voyez alors, elle a mis les voices. Non, comme toi tu as fait. Les autres ne doivent pas faire. Tu es qui? Maman peut faire ça. C'est toi qui as créé les produits. Ne mets pas les voices, elle a mis les voices. Si elle veut, est-ce que c'est ce n'est pas un produit que tu es parti dans un laboratoire pendant les années que tu as créé? Tu en veux à une soeur comme toi alors que tu prônes On est en train de l'insulter en bas, le côté, on l'insulte jusqu'à... Oh là, on insulte la fille. Les paroles qui sortent de ta bouche. Quand on t'entend parler, on peut croire que tu es une bonne personne, alors que tu es un serpent à deux têtes. Et c'est ça qui te dérange, parce que tu dis la vérité. Je t'ai dit, ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas. Sur même la vidéo sur YouTube, je ne l'ai même pas dit.
Même quand je t'ai envoyé le message en privé, je ne t'ai pas dit que ça ne se faisait pas. Je t'ai tout simplement dit que il fallait pas m'associer à ça. Tu aurais voulu que j'aille mon money. Eh, ma chérie, je veux te répondre étape par étape. J'envoie ce message. Je te dis que Mazaré, Mangaï, sa fille, toi, maman Malik Belle. Malik d'amour. Malik Chou. Pour que je ne puisse pas te répondre. Je vais passer par elle et je vais te bloquer aussi. Tous les Camerounaises qui sont montés là, bavardez, voilà la fille qui a fini par mettre les voices, non? Voilà les voices qu'elle a mises. Ça va le bavarder pourquoi alors? Ah non. Comme ça, les gens seront vraiment la mauvaise personne que tu es parce que tu es très méchante. Tu fais semblant d'aimer les gens. Tu n'aimes personne. Tu n'aimes personne. Tu fais semblant d'aider les gens. En fait. Tu es le genre de personne qui cherche à avoir de l'argent, du pouvoir, juste pour venir impressionner les gens, juste pour venir montrer aux gens au monde entier que tu as réussi. Ah, super, Malik Chou. Tu m'as dit dans tes messages que ça fait depuis 20 ans que tu es sur les réseaux sociaux, tout le monde t'a dépassé. Et vraiment, personne ne m'a dépassé. Parce que je me suis en concurrence avec toi. Je te rappelle, ce sont des paroles que tu dis souvent. Non, tu aimes quand tu écris tes belles choses là sur Facebook. En fait, d'abord, tu écris, c'est peut-être que tu ne comprends pas. Il dit qu'il va avoir bloqué son live. Tu sens pas là, les gars, mais on t'est vite, la tienne est très vite. On va bloquer ton live, parce que tu conduis à. Parce que moi, je m'en vais, parce qu'on va bloquer ton live. Est-ce que là, on va bloquer ton live, hein, tu conduis en live. Moi, je ne veux pas qu'on me bloque aussi, je m'en vais d'abord. C'est bien de tout ça, ma chérie. C'est bien de mettre le tien ensemble, comme tu mets là. Mais c'est bien aussi de nettoyer ce que tu t'envoies. Papa, voir un psychologue, tu as de l'argent, c'est bien. Mais c'est Ah, pourtant, on lui a dit. Ah, oh, franchement, hein. C'est que même, tu testes même ça comme ça, là. Gérald! On a bien dit qu'on va couper son lave, comment elle a qu'elle conduit. Oui, c'est comme ça. Ne vous laissez plus faire. Nous sommes à l'air du vaisseau. Ils sont dehors, vous avez vu. Vous voyez les clashs qu'il y a, vous voyez les problèmes qu'il y a. Les faux problèmes. Tu ne connais même pas une personne que tu peux nourrir, mais avec toute sa famille, vient t'insulter. Donc, ils sont dehors, ils ont l'intention de voler les âmes, de faire beaucoup de mal. Donc, vous, vous devez maintenant être armé. Par les petites astuces, ça veut dire que tu restes chez toi. Et vous allez voir quand vous allez commencer. Dans une même entreprise. Impossible. Dans le marketing, ça n'existe pas. Non, c'est sûr, déjà. Ça veut dire que peut-être on dit que tu fais, qu'on te paye 100 euros par produit. Tous les sorciers qui mangent ta vie, là. Quand tu vas commencer à porter ça, en plus de ça, je l'ai même béni. Parler, mais moi je n'envoie pas les photos bizarres. Maman, j'appelle. Tu es là, toujours quand tu te lèves, tu mets ta caméra, tu nous insultes. On répond pas, tu nous insultes. Est-ce que la vie tourne autour de toi? Ah, tiens, faut vivre ta vie, on vive notre vie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est là qu'elle est sortie boulée, là, en train d'insulter, jusqu'à où je te parle, là. J'ai pris l'eau chaude pour chauffer. Ah, donc, TikTok, quand tu conduis, bloqué. Tu vois ce qu'elle dit? C'est ce que tout le monde lui a dit, que fais attention, comme tu es en train de conduire, là, ils vont te bloquer. Ah. Wow. Dans son combat. Fort, homme fort. Bon. Mais ça bouge le trou derrière. Il y a plus le direct, il y a plus le direct de Soko, les amis. Mais vous laissez. Les draps des lits. M'entendent qu'avec. Merci Makota Chou qui m'a envoyé ça. Oh, merci, merci, merci. Bon. Une bonne conférence. Ça c'est quoi? D'une masterclass. Qu'est-ce que vous en pensez? On va voir l'année prochaine ce que nous allons décider. Oui, ce que mon équipe au sein de mon entreprise, ce que nous allons décider l'année prochaine. L'élévation ultime. Quand un sénateur prend ton invitation, il le voit et il te dit que j'espère que le 8 novembre prochain, quand j'aurai fait la cure de mutation, je serai aussi énergique et aussi frais que vous l'êtes. Parce que ça se voit que vous prenez du mutation. C'est un sénateur qui vous dit ça. Donc, quand même des hautes personnalités boivent le mutation de la marque Glutaline, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus?
Elle est en direct, le temps en direct. Elle ne peut pas. Elle parle avec la bouche normale. Elle parle avec la bouche, elle peut parler là-bas. Oui, Kendra, il y a le quota. Elle et Rodrigo qui est venu faire le Congo, ça justement. Non, il n'y a plus rien, Mazaria. Je vais couper, il n'y a plus rien. Il y a eu que j'allais tomber encore sur un chocolat, mais apparemment, tout le monde. Les Camerounaises, maman. Il ne faut pas faire de problème avec vous. Et vous me demandez d'aller sur TikTok. Ma Véronique Amas. Moi, je parle à TikTok. Je ne peux pas aller à TikTok. Vous avez vu ça? Vous avez vu le broyat là? Quand Mazaria dit tout, c'est dépressif. Je ne peux pas aller à TikTok. C'est des malades. Ah, brrr, tu n'as pas le cardio, chienne, ah, pata, poropoto. Non, comme Diana a dit, mieux on reste dans le combracata Facebook ici là. Voilà, elle ne peut parler. Kento ne peut parler sur TikTok. On va la finir là-bas. On va la finir. C'est même pas la peine, elle ne peut parler là-bas. On va aller faire quoi là-bas? Elle dit qu'elle a le cardio. On va la traiter propre avec tout son corps là. Comme elle aime insulter, j'ai là-bas, on va traiter aussi tout son corps pareillement là-bas. Il ne vaut rien pareil. Eh, hey, Eric, la veuve là, la veuve. Je vais te dire une chose, hein. Ma foufou, il faut laisser Linda tranquille, hein. Parce que quand les TKW ont affiché, Linda là-bas. Quand les TKW ont affiché Linda, la veuve, ma foufou, tu nous laisses tranquille. Laisse Linda Monneret. Tu achètes le pomme de Linda Monneret pour défendre Ngossa. Moi, j'achète le pomme de Linda Monneret et finis avec toi en même temps. Toi et moi, on va danser la danse de Bafia ici, là. La veuve m'a foufou. Tu laisses Linda tranquille. Parce que quand les TKW ont affiché Linda, on n'a pas demandé que la TKW affiche Dieu Cyclone. Dieu Cyclone, vous l'avez affiché alors qu'il était pour rien. En ce moment-là, affichez tranquillement Linda Monneret. Vous l'affichez, vous la caricaturez, vous faites tout ce que vous voulez de Linda Monneret. Il n'y a pas de problème. C'est comment, non? Depuis, on est calme, on ne vous parle, on ne vous dit rien. Vous allez vous faire comme si les gens ont peur de vous. Je dis que toi, la veuve, ma foufou, tu dis que tu es d'accord avec Ngossa. Tu supportes Ngossa, tu viens clasher ma Linda Monneret. Je te clash. Moi, je te dis ça, la veuve. Ça fait un moment, maman était vide même là, depuis que tu es là. Et puis que tu clashes Linda Monneret, te clashes. Moi aussi, j'achète le problème de Linda Monneret. Oui, la veuve. Moi, que te dis à la veuve. Et là, il t'appelle encore la veuve, encore parce que je suis gentil. Bah, après, tu verras encore parler des immeubles, faire ceci. Regarde-moi les petites sous-femmes comme ça, là. Regarde-moi, une banga woman. C'est toujours vous comme ça, là. Et toujours vous qui attribuez, tu les autres qui filment le banga. Les Linda Monneret, c'est qui filme la grogue, là. Tom, tu filmes la grogue, là. Tout son corona a vu. Tu as vu pour Linda, hein? Est-ce que tu es pour Linda? La veuve, tu achètes le poème de Ngossa. Là, moi, j'achète le poème de Linda. Et toi, moi, on va faire ça propre ici sur Facebook. Oui. Il y aura plus que le respect fait ceci. Parce que depuis là, moi, je n'étais pas prononcé. La dernière fois que tu m'as prononcé, je n'ai rien dit. Je suis passé dessus. Tu achètes le poème, comme tu as dit hier là. Comme tu as parlé hier là, tu as glissé sur Linda. Linda, tu n'as rien fait du tout. Comment tu as ma quota, Foncine? Ya, ça fait longtemps, hein, ma soeur. Et dit que, je dis que veuve, mastico. Tu achètes, comme tu as dit que tu as défendu Ngossa, que tu es d'accord avec ce que Ngossa a fait. C'est vous qui avez commencé à insulter Dieu Cyclone. Dieu Cyclone ne vous a rien fait. Quand vous voulez, comment dire, insulter Linda, caricaturer Linda. Pourquoi mélanger Dieu Cyclone? Qu'est-ce qui vient par les balles perdues dans vos conneries? Et maintenant qu'il répond, toi tu viens t'asseoir Ngossa, tu commences à insulter le gars de Kribi parce qu'il t'a fait quoi? Merci ma mère Sylvie Ténier pour tes étoiles. Merci ma mère. Tu as amour. C'est même quoi votre problème? C'est même quoi votre histoire en fait? Il dit que tu t'occupes de Linda, je m'occupe de toi la veuve. Ça ne te concerne pas. Dieu si qu'on ne t'a pas insulté. Ah, c'est que Dieu si qu'on ne t'a même pas prononcé. Il ne t'a même pas introduit dans sa cabinet. Tu achètes le problème de Ngossa. Moi j'achète le problème de Dieu si qu'on et de ma Linda Monneret d'amour et je te clash. Oui. Ça va être une nouvelle série. Comme tu as dit que c'est repère sur Facebook, avec toi ça va être que c'est repère. Apparemment, tu manques de sujet. Tu manques quoi? Tu manques quoi faire? Je vais t'aider. La veuve, je vais t'aider. Ma astico va t'aider. Tu laisses Linda Monneret tranquille. Parce que depuis, elle ne te prononce plus. C'est même comment, non? C'est même comment avec vous, non? C'est comment?
Jusqu'à tu es calme, tu veux calme, t'assoyer, tu fais un direct, tu dis que oui, ma Linda Monneré, c'est avec Dieu Cyclone. Qu'est-ce que Dieu Cyclone fait là-dedans? Hein? Quand je vois comment Gossané s'assoit, elle commence à insulter Dieu Cyclone, commence encore à mélanger le père, me sang et tout dans les pets, dans les bêtises. Moi, ça me fait rire. Vous manquez de sujet, vous manquez quoi faire, vous manquez quoi dire, en fait. Je vous comprends pas, en fait. Vous manquez quoi dire? C'est même quoi le problème? Vous insultez Linda Monneré, vous mettez Dieu Cyclone, et quand le pauvre, il est répondre, vous voulez, vous en prendre à lui? Donc, comme Linda, c'est celui qui n'est pas l'époque à la place de Linda. Donc, ça veut dire que vous êtes impuissant. Vous n'êtes pas assez fort, en fait. Pourquoi vous vous attaquez à Dieu Cyclone? Qu'est-ce que Dieu Cyclone? Le monsieur de clou était tranquille dans son coin. Il était tranquille dans son coin. Hein? Il vous a rien demandé. Vous affichez Linda Monneré. Affichez Linda Monneré. Elle, c'est une grande fille. Elle connaît encaissé, elle s'en fout complètement de vous. Elle n'en a rien en d'abat de vous. Rien à cirer. Rien à foutre de vous. Caricaturez-la comme vous voulez. C'est pas son problème, ça la laisse à 37 Malinda Monneré. Mais c'est quoi l'histoire que vous voulez mélanger Dieu Cyclone? Vous voulez quoi? Quand vous avez provoqué Dieu Cyclone, vous allez l'insulter, vous allez faire ce que vous voulez. Merci, le pâté. Hein? Dès que vous allez insulter, comment dit Linda Monneré, vous allez quoi que, vous allez insulter Dieu Cyclone, et vous allez voir Linda va venir, va courir comme ça, là, que oui, vous avez insulté Dieu, elle ne viendra pas ce mec pour défendre Dieu Cyclone. Pas ce que vous voulez. Vous provoquez, vous insultez Dieu Cyclone pour atteindre Linda. Pour qu'elle vienne se justifier. Elle ne viendra pas se justifier. Et ça ne chauffe pas. Ma Linda Monneré ne va pas monter dans un panel de qui que ce soit pour se justifier. Parce qu'elle n'a pas à se justifier. Elle ne vous donne aucune explication. Ma mère Sylvie Tenia en train de me gâter. Maman, les étoiles. Ma mère, ma mère en train de me gâter. Ma mère gâte sa fille. Aïe. Il y a un moment, il faut arrêter. C'est vous là-bas qui décidez que c'est zéro paix, c'est zéro paix. Toi, tu viens t'asseoir en gros, ça, tu es sur Tatana. Tatana, moi, j'ai confiance. Ma Tatana, d'amour. Ma Tatana, d'oreille. C'est que tu vas reprendre en gros, là-bas, là, j'ai confiance. Y'a même pas besoin de te défendre. Ma Tatana, d'amour, les gros cœurs, comme ça, ma Tatana. Il dit qu'il n'y a même pas besoin de te défendre. C'est que tu vas venir te reprendre en gros, ça, j'ai confiance. Oui. J'ai confiance, tu viendras reprendre en gros, ça. Oui. Aïe. Parce que toi, tu connais, tu chaud, il faut. Aïe! Oui, ça ne chauffe pas. Mais la veuve, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, la veuve. Ne viens pas acheter le problème de Ngossa. Je t'ai vu en train de dire que Ngossa, je suis d'accord avec toi. Oui, parce que Linda, là, toi, qu'elle est quelque chose. Je demande à la veuve, tu es en train de chercher Linda. Hein? Tu es en train de chercher Linda. Ah, elle t'a répondu une fois, elle t'a répondu deux fois. Hein? Tu vois qu'elle va passer, pour le moment, elle passe dessus. Mais moi, là, ma Linda Monneré, ok, ma mère, si, oh, ma mère a décidé avec moi aujourd'hui. Ah! Ouais, ma mère, si t'es pas dans les mauvaises positions, j'allais danser, puis j'allais danser jusqu'à, oh, maman Sylvie Tenier, oh, ma mère d'amour, elle a quand même fini avec les étoiles. Attends, on peut faire ça à sa fille. On peut gifler sa fille comme ça avec les étoiles. Ah, bon, ouh. Eh, ma mère Sylvie Tenier, oh, maman, oh, ouais. Là, comment je suis habillée, la maman, j'ai laissé ma danser que, ouloulouloulouloulou. Oh, ouais. Oh, wow. Ma mère, qu'elle me gâte avec les étoiles, ma mère. Merci, oh. Que Dieu te le rende au sang plus beau. Qui continue à remplir tes poches, maman. Ce que tu fais à nous tous là, vraiment. Ce que tu nous fais à nous tous là. Tu donnes les étoiles à tout le monde, ma mère. Tous les gens que tu supportes, tous les gens que tu aimes, les gens avec qui tu, les gens que tu tiens. Vraiment, merci, ma mère. Merci de nous donner toutes les étoiles, vraiment. Ah, merci, ma mère. Donc, j'étais en train de dire là. Toi, la veuve, Annie Macarona, je t'envoie le message. Je sais que tes endroits vont aller te dire. Donc, comme tu as dit, Angosa, que je suis derrière toi, je te supporte. Parce que c'est de Linda là, crois que. Voilà que je suis en train de dire. Tu achètes le poème de Linda avec Dieu Cyclone. Tu les clashes, je viendrai te clasher. Oui. Parce que Dieu Cyclone ne t'a pas touché. Il ne t'a pas prononcé, ni Malinda Monneré ne t'a pas prononcé. Ils ne t'ont pas, merci pour le pater, pour les cœurs que tu m'envoies. Merci. Il dit que tu touches à Linda Monneré, je suis sur toi. Et ça ne chauffe pas. Anne Macarona, la veuve, comme tu es ma zéro paix. Comme tu es ma zéro paix, moi, je vais être zéro paix alors là. Moi, je n'aime pas les problèmes, je n'aime pas chez les problèmes. Mais Malinda, c'est ma personne, personnelle. Oui. Tu la touches, tu me touches. Ngossa là-bas, je la gère pas parce que Malinda, elle gère Ngossa là, ça parle. Oh, oh.
Malinda est tué Ngosa là, ça passe dans la balle. Hein. Maman dit que Ngosa, si tu savais lire. Quand Malinda Monere te coupe. Ngosa, viens lire les commentaires, maman. Les insultes de ça. Quand maman Guylaine encore, elle rajoute. Elle dit que ma tata Guigui. Ma tata Guigui rajoute encore, ça part encore, maman, le feu de ça. Elle dit que Ngosa, si tu savais lire, oh, maman Ngosa, oh, si tu savais lire. Quand Malinda Monere te coupe. Maman, les injures qui sont sur la page de Linda Monore, mauf. Et te jure que tu ne ferais même plus le direct. Donc j'ai confiance à ma Linda Monore, le côté là. Mais toi, la veuve, tu ne te mêles pas. Merci, ma soeur Enfoncine. Pour la veuve, Brique, la veuve, tu ne te mêles pas de ce qui se passe à que Dieu commande qui se passe. Laisse les TKU là-bas et ils se vengent là-bas parce qu'ils disent, ils, pour eux, dans la tête, c'est que Linda a fait ceci, Linda. Eh, hey, ma mère si vite, yo, maman si yo, hey, qu'elle a qu'elle me gifle, aïe, Wamba, Wamba, maman, moi, voici ici, là, combien, ça fait combien de mois aujourd'hui, là, hey, Wamba, voilà les étoiles, voilà les étoiles, ma mère, voilà les étoiles, ah, ouh, le gâtement de ça. Donc, tant qu'elle dit que, toi, la veuve, je t'avertis, je te dis encore, ça ne te concerne pas, ma, Mastico, ça ne te concerne pas. De grâce. Coloku Alinda Mounere. Elle ne t'a pas prononcé. D'accord? Et de surcroît, qu'est-ce que Dieu Sikon t'a fait? Il ne t'a rien fait. Pourquoi vouloir te mêler, insulter Linda et mélanger Dieu Sikon? Lui qui est moi, je sais que Linda est fafou partout. Comme moi, je travaille là, je n'ai pas pris le temps de regarder les directs là. Si elle me dit que tu l'as touché, je viens, je lance mon direct, je m'habille comme ça se doit. Je m'habille comme ça se doit. Et je vais te faire ça propre, sans vaseline. Mastico, d'accord? Voilà. Tu as acheté le poème de Ngosa. Comme tu as dit que tu as acheté son poème là, tu es d'accord avec elle, tu prends son parti. Tu viens t'asseoir, prends tes deux petits mères Linda Monere, tu la clashes avec Dieu Cyclone. Moi, je vais faire Mastico, appeler Mastico. Moi aussi, je me pose et je fais ça. Et toi, et moi, ça va être un tour. Il n'y aura pas de paix. La personne qui a se calmé, la personne qui est la première personne à se calmer, on va se calmer. En attendant, là, on va aller pas à pas. Et ça ne chauffe pas. D'accord? Il y a un moment, il faut arrêter. Il y a un moment, il faut arrêter de vous. Quand que je ne te concerne pas, il faut arrêter. Quand que je ne sais pas moi. Vous imaginez, quand on me dit souvent que moi, je réponds à tout le monde. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Je ne peux pas chercher pour moi à tout le monde. Tu dis que moi, ma civile tenait ici, là. Parce que le comment dit, comment s'appelle Union Ballonnaire Indale a insulté Maman Sylvie Tenier ici là. Vous avez vu? Moi je défends mes gens. Je les défends. Et c'est comme ça ne chauffe pas. Ma Diana, ma Lubel, ma Zaria, quelqu'un les touche. Maman Gondwala, Maman Oloko, tous ces gens, les gens qui nous supportent, les gens qui meurent pour nous là. Annie Coco, tous ces gens là. Vous les touchez, vous m'avez touché. Il y a ma mère Mula. Maman Sylvie Tenier, c'est les femmes qui nous supportent. Elles ne supportent pas la bêtise parce qu'elles nous conseillent beaucoup. Mais sauf que quand vous exagérez, elles laissent. Parce que vous êtes toujours en train de croire que Maman Sylvie Tenier et notre Maman Mula, vous croyez que c'est les femmes qui aiment la paix. Il faut qu'on vous précise ça souvent. Ces deux femmes-là aiment la paix. Mais quand c'est de trop, parce que vous ne pouvez pas savoir les choses que les femmes-là font par derrière. Hein. Elles nous calment énormément, ces femmes-là. C'est parce que vous ne savez pas. Le travail qu'elles abattent derrière. Mais quand c'est de trop, d'où vous les voyez? Parce que quand vous insultez, on ne répond pas. Elle nous calme, non, ça va aller, faites-vous ignorer, passez. Mais quand vous exagérez, d'où elle dit, maintenant là, on ne peut pas, vraiment les filles, on ne peut pas vous retenir, allez-y. D'où vous voyez souvent qu'on commence aussi à faire aussi comme ce que vous voyez là. Oui. Parce qu'il ne faut pas croire que ces femmes-là, c'est des femmes qui aiment les problèmes. Elles n'aiment pas les problèmes, elles aiment plutôt la paix. Je tenais vraiment à faire, on dirait même dans la semaine, je vais encore répéter ça encore, pour que ça rentre très bien à vos oreilles. Parce que vous avez toujours tendance à croire que ce sont elles qui nous activent derrière. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne parle pas parce que maman Sylvie Tenier a encore me donné les étoiles. Ce n'est pas par rapport à ça. C'est une vérité. Voilà. Parce que quand elle nous parle, elle nous dit, les filles, faites-vous ignorer, ne la calculez pas, ce n'est pas la peine. Ces femmes-là nous ont beaucoup calmé en aparté. Mais quand elles ont compris que, donc, elles aussi, vous avez commencé à mélanger que c'est elles qui nous activent, c'est elles qui Maman Mula et Maman Sylvie Tenier qui font qu'on vous insulte. Non, je suis désolé. Vous n'avez pas collé ça de leur cul. On n'est pas des enfants. On n'est pas des enfants, elles ne nous dirigent pas. Elles nous calment plutôt parce qu'elles aiment, c'est les femmes de paix, elles n'aiment pas les problèmes.
Mais quand vous les voyez déjà dans les problèmes, c'est peut-être parce qu'on les a peut-être attaqués. Elles font beaucoup de postes. Elles font beaucoup de postes. Et je ne crois pas que les postes de Maman Sylvie Tenière et de Mula, c'est une que poser que sur les gens. Poser que sur les gens, non. Elles alimentent aussi leur page. Mais quand vous les attaquez, elles font des postes. Parce que vous ne les voyez pas monter les panels et tout ça pour raconter leur vie, non. Mais Maman Mula était obligée de monter les panels pour se défendre. Maman Sylvie Tenière, elle n'a pas besoin. On est là pour elle. On travaille pour elle. Parce que c'est une femme qui soutient la vérité. C'est une femme qui soutient ce qui est bon. Elle va dans les panels où elle trouve qu'ici, il y a de la justice ou bien ici, la personne a raison. Elle n'est pas par n'importe quel panel. Elle n'est pas là pour AIX ou Y. Mais quand vous voulez un mec cadeau, je suis vraiment désolé pour vous. Ce n'est pas une personne à mec cadeau. Parce que c'est une personne qui n'aime pas les problèmes. Ni ma mère Mula, ni ma Sylvie Tenière. Donc il y a un moment, il faut arrêter de dire que ce sont elles qui nous activent derrière, c'est monté, c'est descendu. Vous voulez les mélanger dans la saleté. Et je dis non dans ça. Je dis non. Cette veuve m'a lavé l'autre jour. Et ma Véronique Amas. Ouais, maréchal compresseur. Maréchal compresseur. Ok. Eh, maman. C'est maréchal compresseur qui est confond. Pourquoi tu n'as pas que passe ton ancre? Je comprends que tu as ma maréchal compresseur. Ouais. Le pasteur des pasteurs, le pasteur des pasteurs. Pasteur, tu as vu ce que j'ai mis là? Il dit que Véronique Amas, il faut laisser la veuve là. Elle m'a wash le cojou, non? Ma Véronique Amas, elle m'a wash le cojou, je n'ai pas répondu. J'ai fait vue ignorer. Mais apparemment, elle a tendance à vouloir toujours mettre les... Toi, tu l'as fait quoi alors? Tu l'as fait quoi? Ma Véronique Amas, toi, tu l'as fait quoi pour que maintenant elle vienne t'insulter maintenant là? Cette veuve m'a lavé l'autre jour parce qu'elle m'a vu sur les postes du 2 novembre jusqu'à dire que j'ai fait le camion. Et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La veuve, franchement, je crois que ton cerveau boit une manière, il tout. Il y a des années qu'il faut. Parce que comment tu peux te permettre d'insulter une personne parce que tu l'as vu chez Flore, comment dire, elle était dans l'affiche, elle a payé sa place, c'est normal qu'elle soit dans l'affiche. Le 2 novembre, c'est dans quelques jours. Tic tac, tic tac, tic tac. C'est quoi votre problème? Vous souffrez de quoi? Eh, pasteur de pasteur. Tu as vu là, ce qu'il est posé là, pasteur de pasteur. Oh, Viviano. Oh, Viviano. Eh, pasteur. Le pasteur, le maréchal comme. Le maréchal. Regarde comment il reprend le maréchal comme ça. Tu vois là, ce que je me fais faire, pasteur. Et j'ai le procès, ma co. Maréchal pasteur supérieur. Tu as vu ce qu'elle fait le concours là? Mon père, tu as vu ça non? Hey! Le pasteur lui-même danse comme ça. Là. Moi, il me dit que. Venez dire qui dépasse l'autre là. Magaté, je suis où depuis non? Vraiment, hein? La femme, si tu t'as qu'elle fait, tu t'as qu'elle gnasse. Magaté, je suis d'amour, tu t'as qu'elle gnasse ou quoi? Mon amour de soeur. On me tue pour qu'elle chou ma. Ouais, j'ai mal avec Katerouchou demain, j'ai mal avec Katerouchou après demain. Oh. Allez, dis, si vous n'êtes pas content, calé, saute, allez, ma Katerouchou, elle est moi, là. Allez, ma Black Beauty, la Black des Blacks. Maman Sylvie Tenière, ma Mula, on est là. Vous allez nous assumer, pillant. Aïe! Je suis partante! Je suis partante, le pasteur! Le pasteur, je suis partante! Je suis partante, pasteur. Le pasteur dit qu'on va refaire le challenge. Yes! On va refaire le challenge, pasteur. C'est en cours, ma Katerouchou. On va refaire. Comment tu vas, ma la fortune? Oui! Oui, ma Luc Belle. On va refaire. Tu me dis quand, pasteur? Je t'appelle même, je vais t'appeler. Tu me dis quand le challenge? Maman, tu lances là-bas et balance ici, là. Ah, pasteur, tu as vu que tu étais défié, non? C'est un coup, hein, ma Katerouchou. Pasteur, donc tu as vu que tu es défié, non? Ha! Pasteur! Là, il faut qu'on pense, il faut qu'on limite vraiment bien, bien, bien. Quelle déception! Quelle déception! Waouh! Eh, ma mère, si tu peux m'amener là-bas, la fortune. Pourquoi quand tu partais en Côte d'Ivoire, tu peux pas me dire que tu pars là-bas, ma? Je partais avec toi, non? Tu vas me dire qu'elle est sur le travail avec qui? Eh, qui est, ma Katerouchou? Pourquoi c'est long, c'est comme ça? Aïe! Oh, Massa, donc ce que je t'en ai dit, je vais finir avec ce que je t'en ai dit par rapport à ma maman Sylvie Tenière et à Mula, que
qu'on arrête de dire qu'elles sont là pour intoxiquer les gens, qu'on arrête de dire qu'elles sont là pour nous encourager. Je vais vous dire non. Arrêtez de gâter les deux noms de ces femmes-là pour rien. Parce qu'on a vu, quand j'avais les problèmes avec Kento, on a vu comment ma mère Mula, elle a fait tout pour qu'elle arrête. On a vu son combat. On a vu Maman Sylvie tenir son combat. Mais c'est elle qui n'a pas voulu laisser. C'est elle qui a voulu continuer dans la bêtise. Donc, c'est pour ça que vous dites que ces femmes-là, c'est des femmes de paix. Regardez très bien leur parcours sur Facebook. C'est des femmes de paix. Mais quand les gens exagèrent, en ce moment-là, elle dit, non, là, je vous laisse. Là, vous avez raison. Faites ce que vous voulez. Là, elle ne peut plus. Attends, j'arrête. T'es toujours en cours. Comment ça met long comme ça, en cours comme ça? Attends, je relance encore ma catégorie show. Là-bas. Voilà, je relance. J'ai relancé encore. Ça a encore mis en cours. C'est ça, pourtant tu mets les cœurs. J'ai dit que t'as gagné à mes proches et qu'on va refaire sérieusement. Merci le Paris. Merci le maréchal. Merci le pasteur. Le pasteur lui-même confirme. Merci. Ouais, mettez les cœurs seulement pour que ma catin chou monte au. Merci le pasteur supérieur. Le pasteur supérieur dit que lui-même, il confirme que non, le challenge est fort. Donc il dit qu'on va refaire. Je suis d'accord. Là, je vais chercher avec le pantalon de mon mari. Pasteur, prépare-toi. Hein. Mettez le cœur pour que ma catin chou. Ça fait que mec a joué en cours. Pourquoi ça met long comme ça là? Oui. Et le pire, c'est quand même le numéro où tu as, c'est où je suis à que de faire le direct. Eish. Voilà la fortune. Exactement. C'est vraiment une bonne personne, ma Sylvie Tenier. Exactement, c'est vrai. Ouais. Envoyez vraiment le cœur pour qu'elle. Attends, je relance encore. Hein. C'est toujours. Ça met long en cours là. Attends, je coupe encore. Attends, je coupe encore, je relance encore. Ouais, ma catégorie chou. Voilà. Je relance encore. Parce qu'il y a, Black Bitiki qui m'a montré le raccourci là. C'est facile maintenant là pour te prendre. Tu vois, ça met toujours un jour en cours, Massa. Hey. Ça met toujours un jour en cours. Pourtant là, on est en train d'envoyer plein de cœurs là. Eric, elle prenait le micro. Maman Sylvie Tenier dit qu'elle prenait le micro. Aïe, aïe. Oui. C'est parce que il faut qu'on soit ensemble. Il faut que Pasteur et moi soit ensemble pour faire le challenge. Mais si ce que je monte là son panel, ça peut pas donner la même chose. Ça peut pas. Ça pourra pas bien passer, quoi, en fait. Ah. Oui. Non. Pasteur, je suis prête pour le challenge. Je suis prête. Non. Oh. Merci le pasteur. Merci d'avoir m'a reconnu quand même que ça s'est bien passé. Lunettes, pas les lunettes noires. Hein. N'oubliez pas les lunettes. J'ai les lunettes noires, ma mère. Il serait que ça, j'ai les lunettes noires, ma mère. Maman Sylvie Tenier, j'ai les lunettes noires et ça ne chauffe pas. Aïe! Elle dit qu'elle est ma mère. Je vais mettre le pantalon de mon gars. Je vais mettre la chemise. Je vais mettre une chemise. Ah, ça va aller. Oh. Aïe! C'est qu'elle a fait ça. Ah, bon, refais encore. Voilà, ça a mis échec. Regarde, dis-moi encore, prends-moi. Comment tu vas ma blague, tu es la fille de maman Anna? Comment tu vas la fille de maman Anna? Ça va, j'espère. Oh, tu as bien dormi parce que là, ça n'allait pas ce matin ou hier. Ça n'allait pas très très bien la voix. Redis encore ma Catherine, je te prends. Mais attends, je te cherche ici là. Attends, je te cherche ici là, Catherine. Comme ça refuse de prendre. Voilà. Attends, je te rajoute là. Et ça pourrait prendre facilement, peut-être ici, je sais pas. Parce que ma blague, bitumant, mon col au raccourci là, c'est rapide. Maintenant, je suis passé maintenant par un autre, autrement. En cherchant ton nom. Mais là, si ça ne prend pas toujours là, alors je sais pas quoi faire. Pourtant, là, on a déjà envoyé plein de cœurs là. Qui est toujours en cours. Pourtant, on a envoyé plein de cœurs là. C'est pas qu'est-ce qui se passe. C'est en cours. Comment tu vas, ma Black Beauty? Tu es parti au work? Comme tu es malade même là. Papa contaminé tout le monde là-bas, ma mère.
La Black Beauty, la seule Black. Il n'y a pas ton deux. Tu vas pas tu vas pas tu walk la mère. Parce que tu, comme avec le rhume, tu dois être bien fatigué. Moi, je suis avec mon frère Pasto de Komamugu. Nous avons les petits fesses, mais coup de rein terrible. Ouais, la fortune. Ouais, la fortune a filé avec. Et dit que le pasteur a tourné les reins. Tourné les reins. Mais tu vas bien tourner les reins. Eh, nye, nye. Qui va? Eh, nye, nye. Eh, pasteur, le pasteur. Eh, ma gâte, une cheveux coupée alors. Et quand ça va pas te poigner là. Et le téléphone où tu m'appelles là, c'est sur ça que soit qu'elle fait le direct même avec. Oh. Mais, ou bien appelle-moi sur Messenger. Et t'appelles sur Messenger. Réponds ma gâte, une chou. Là, ça coupe là. Ça a encore fait échec. Attends. Tu as dit ici que prends-moi. Ou appelle-moi sur Messenger, ma catin chou. On va faire comment alors, c'est là. Mais moi, je t'appelle sur Messenger. Ça en coup. J'ai encore le lancé encore. Ah, punaise. Et t'envoies. Ou je t'appelle sur Messenger, ma catin chou. Ou je t'appelle sur Messenger alors. Pardon, reprends-moi vu comme ça qu'elle fait en coup là. Attends. Non, comme ça en cours, ma chérie, je peux pas te prendre. Attends que ça tombe d'abord. Mais si ça persiste comme ça, ma mère va à l'hôpital et moi, je t'assure. Ne reste pas trop longtemps avec ça. Ok, t'appelles sur Messenger, d'accord. Ne reste pas trop longtemps parce que quand la tour reste comme ça, après ça devient la bronchite. Tu vois un peu, non, ma mère? Ça devient la bronchite, c'est pas bon. Attends un peu. Attends, j'enlève. J'essaie un peu de prendre un peu la fortune pour voir si c'est toi le problème. Ou c'est tout le monde qui est comme ça. Allô? Oui. Comment ça va, homme? Ça va, ma carte est chou. Ça va. Alors, raconte. Voilà, il était mieux. C'était chaud ce matin. Tu n'as pas vu. Ok, ma mère. Où ça? Tu as fait le direct? Ah, maman, c'était un poum poum contre moi. Poum poum était en direct, j'ai dit, lance le direct directement. Dès que j'ai vu ça, elle lance le direct, maman. J'attends, elle dit qu'elle rentre aujourd'hui à 20h. J'attends encore, je vais lancer le direct, je dis qu'elle la laisse pas. Eh, mais tu vois que ma mère, tu es. Tu vois que ma mère, là. Une sapologie comme ça là, une salade sans vinaigre. Elle dit qu'elle ne me gère pas, c'est toi qu'elle gère. Elle dit qu'elle me gère. Ouais. Elle est sur toi. Ok, elle a encore dit ça aujourd'hui. Oui, elle va même appeler le fisc sur toi. Elle menace de ça. Elle dit que Kento, avant de commencer à envoyer le fils, que demande à la cave de venir chez toi d'abord. La personne que tu héberges chez toi là. La personne que tu héberges chez toi là, comment d'abord lui mettre dehors d'abord? Je dois passer un appel au Cameroun du Jama là. D'accord. Ok. Non, il faut vraiment aller voir le médecin. Ma mère, va vraiment voir le médecin parce que là, ce n'est pas bon. Moi, je suis resté comme ça longtemps avec la toux comme ça. Ça s'est transformé en bronchite. Je toussais déjà, c'était plus la vraie toux. Ça faisait des gros roum, roum. Je toussais, ça faisait roum, roum. Le cœur faisait ça grognait à l'intérieur, quoi. Donc là, le monsieur m'a dit, heureusement, vous avez bien fait de vite venir. C'était plus la toux normale, c'est à la bronchite, c'est arrivé à ce niveau-là. Donc faites très attention, ne dure pas longtemps avec ça. Ne dure pas. Qui a essayé de lancer la demande là? Ça a fait échec, hein. C'est qui a essayé de... voilà, ça a fait échec de connexion, hein. C'est qui a... la fortune, tu as lancé, ça a fait échec de connexion, ma soeur. Depuis que j'ai parlé avec Catherine, c'était en cours. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Parce que quand le Japabé, il y a long comme ça, ça n'en donne plus. Donc, c'était pour te dire, la veuve, je vais encore te redire encore. Tu te permets de insulter... ma Linda Monneré, tu peux insulter Linda Monneré, il n'y a pas de problème. Mais,
Dieu s'y connaît, ne t'a rien fait du tout. Il n'est pas sur Facebook avec nous dans notre saleté. Il ne t'a rien fait personnellement. Donc, il y a un moment, il faut arrêter d'acheter les problèmes des autres. Insulte Linda Monneret, elle a l'habitude. Elle, ça la dérange. Mais quand elle vient te répondre, elle me dit seulement, Dolo, lance le direct, je viens, je réponds à Veuve d'Aigremont. Voilà. Mais là, elle va plus répondre. Eric Malinda ne va plus monter pour répondre, pour se ridiculiser. Moi, je vais me ridiculiser à sa place. Je vais acheter son problème. Oui. Parce que normalement, ça ne me concerne pas, mais c'est ma personne. Malinda Monneret, c'est ma personne. Comme Maman Sylvie Tenier, comme on l'a défendu quand l'autre l'a critiqué de tout là. C'est comme ça qu'on fait. Quand on aime nos gens, quand les gens nous montrent qu'ils nous aiment, il faut aussi faire pareil. Et c'est comme ça ici sur Facebook. Il faut être soudé. Il faut arrêter de dire que les amitiés sur Facebook, ça n'existe pas. Parce que moi, je n'ai jamais dévoilé qui que ce soit. D'un moment, il faut arrêter. Moi, ça fait depuis des années que je parle avec beaucoup de personnes en inbox. C'est jamais sorti dehors. Ça veut dire qu'il y a encore les vraies personnes. Ça veut dire qu'il y a encore les personnes honnêtes. Donc, voilà. Il ne faut pas faire que quand vous êtes avec les gens, vous les enregistrez en attendant que ça va casser un jour. En attendant que ça va, ça veut dire que ce n'est pas bon. Ça veut dire que comme tu enregistres, que l'autre, on t'enregistre aussi. Parce que comme dit souvent ma mère, ce que tu fais, on te fait aussi ça par derrière. Donc quand tu parles avec les gens en toute sécurité, tu crois que tu es en sécurité alors qu'ils sont en train de t'enregistrer. Arrêtez ça les amis. Moi je n'enregistre personne. Parce que pour moi, quand ils sont avec les gens, je n'ai pas les mauvaises intentions par derrière. Pour moi, j'estime que l'amitié, oui, même les amitiés de Facebook, ça mêlent aussi. Parce que moi je suis la preuve vivante. Je suis la preuve vivante que les amitiés de Facebook, ça mêlent. Parce qu'il y a des gens qui parlent avec eux depuis des mois. Jamais j'ai répété même une autre personne qui m'a appelé que Maman Sylvie Tenier m'appelle. Je finis de parler avec Maman Sylvie Tenier. Après, maintenant, Mula m'appelle et dit que, oh, tu sais ce que Maman Sylvie Tenier m'a dit. Vraiment, la femme-là n'est pas bien. Non, moi, je ne fais pas ce genre de choses. Les gens qui causent avec moi en aparté le savent. Les gens qui causent avec moi le savent que je ne mélange pas tel avec tel causerie, avec telle causerie. Non. Parce que quand Maman Sylvie Tenier m'appelle, je n'ai pas à mélanger Mula dedans. Je n'ai pas à dire que je causais comme ça avec Mula. Non. Ça, c'est cogner les têtes et ce n'est pas bien. Apprenez à être loyal avec les gens. N'appelez pas les gens et avoir les balles en disant que dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, la personne va me clasher. Ou bien, ça va me... Pourquoi toujours mettre ça dans la tête? Pourquoi toujours penser à ça? Ce que vous pensez, on dit souvent Kabakakana, et on voit que quand tu dessines le serpent sur le mur, c'est ce qui va arriver. Quand tu dessines le serpent sur le serpent, quand tu dessines le serpent sur le mur, ça va arriver. Donc de grâce, apprenez à être loyal avec les gens. Parce que le moment que moi je cause avec eux, je prends l'exemple, je cause avec Black Beauty. Black Beauty en train de m'enregistrer. Il faut aussi que Black Beauty sache que elle, comme elle cause avec une autre personne, c'est comme ça qu'on l'enregistre aussi là. Ah oui, parce que le karma c'est vice-versa. C'est d'où vous voyez souvent les rebondissements sur Facebook là. C'est d'où vous voyez tout ce qui se passe sur Facebook. Ah, voilà, vous avez vu comment j'ai mis TikTok aujourd'hui là. Parce que la fille voulait se venger de Ruby. Parce qu'elle était amie avec Ruby. Et ça s'est cassé avec Ruby. Elle a suivi son Congo ça. Elle est venue se poser pour pouvoir bouffer le buzz. Et pour se venger parce qu'elle se sépare avec Ruby. Je vous en supplie. Les amitiés, ça existe encore. Même les amitiés de Facebook. Arrêtez de dire que les amitiés de Facebook, ça n'existe pas. Les amitiés de Facebook, ça ne tient pas. Ça dépend de nous. Si on veut que ça tienne, ça va tenir. Ça va tenir. Donc arrêtez de toujours faire que vous causez avec les gens sont en sécurité, vous les enregistrez, ce n'est pas gentil. Si vous avez ces mauvaises intentions, mieux vous n'appelez personne. Mieux vous n'appelez personne. Et quand quelqu'un vous appelle, apprenez à écouter. Ne racontez pas vos vies facilement comme ça là. Apprenez à écouter, quand une personne vous appelle, apprenez à écouter. C'est très important, moi mon mari m'apprend ça tout le temps. Apprenez à écouter quand quelqu'un vous appelle. Et une personne vous appelle, ne mélangez pas nos corps. Parce qu'on nous souvient que quand vous êtes ensemble, une troisième personne va toujours tout gâter. Parce que le fait que quand Black Beach va m'appeler, fini avec Black Beach, Maman Sylvie Tenier m'appelle. Oui, Black Beach a fait comme ça. Qu'est-ce que tu en sais que Maman Sylvie Tenier va me dire quoi sur Black Beach? On n'en sait rien. Donc il faut éviter ce genre de choses. Je vous en supplie. Évitez ce genre de choses. C'est pour ça que vous voyez des cassures. Vous voyez que quand il était là comme ça, là. Oh, Black Beach est venu mettre tous mes voix, c'est que j'ai dit avec Black Beach. Voilà. Un mois après, deux mois après, on commence aussi à mettre les voix de Black Beauty.
Hein? Les pas, tu te, moi aussi je viens. Hein? Black Beach, les pas, tu m'avais risqué. Voilà, si t'as pas qu'on t'a risqué. Moi aussi je reprends encore les vols de Black Beach là. Je viens encore jouer ici pour me venger. De grâce. Apprenez à être honnête avec les gens. Apprenez à être loyal. C'est très important. Même Dieu la voit tous nos cœurs. Arrêtez d'appeler les gens. Arrêtez les gens parce que du jour au lendemain, vous avez peur que ça va péter. Pourquoi mettre d'abord ça? Pourquoi penser d'abord à ça? Il ne faut pas avoir ces gens de penser. Ça veut dire que si vous avez ces gens de penser, ça veut dire que vous êtes une mauvaise personne. Parce qu'une bonne personne n'a pas ces gens de penser. Si tu viens honnêtement, comment dire, sur la personne, tu donnes des conseils, des bons conseils, pourquoi pas? La personne va considérer ça. Donc c'était mon petit mot de fin par rapport à ce qu'on a vu pour Ruby, par rapport à ce qu'on a vu pour Estrella qui est venue. Parce que voilà, elle dit qu'il y a eu un force, qu'on a parlé d'elle. Donc elle voulait finir avec Ruby. Et les filles camerounaises sont montées pour lui dire que non. Est-ce qu'on t'a prononcé? Non. Est-ce qu'on a mis ton nom? Elle a dit que non, il y a un voice qui la concerne. Mais alors ce voice-là, on écoute. Elle a mis ce voice-là. Mais l'ont quand même convaincu. Bravo quand même les filles. Bravo. Mais je vous assure, arrêtez de vous venger selon vous. C'est vrai que moi qui vous parle là, moi aussi j'ai tendance à faire ça. Mais c'est pour ça que vous dites souvent que regardez comment Kento est sur moi. Si moi je voulais pas ne prendre partout, on lave Kento. Moi aussi je viens faire comme elle me fait là. Mais pour moi, je ne vois pas en quoi ça m'apporte. Ça m'apporte quoi? Que de la haine. Les gens vont me détester beaucoup plus. Les gens vont plus me haïr. Vous dites que Mendolo Moulin m'a haï, c'est que quand tu es femme ça. Donc toi, tu as mis avec quelqu'un, quand ça finit, c'est comme ça que tu t'acharnes sur la personne. Moi, Ngossé, moi, c'est un truc particulier. Donc quand vous voulez soit par exemple, Ngossé, moi, c'est particulier. Où on dit particulier, hein? Bref. C'est particulier, Ngossé, moi. Voilà. Parce que nous pouvons commencer en interne. Ça n'a pas commencé sur Facebook. Ça n'a pas commencé sur Facebook. C'est elle qui a ramené ça sur Facebook. C'est pas la même chose. D'où vous avez vu ce qui se passe entre elle et moi là. C'est elle qui m'a mis sur Facebook. Un truc qu'on pouvait bien arranger en aparté. C'est pour ça que vous dites souvent que quand vous avez les gens, les mauvaises intentions là, ce n'est pas bien. Parce que regardez maintenant les choses qu'elles sont. Ouais, je savais qu'un jour tu allais faire comme ça. Je savais que tu as un jour, c'est ça qui ne te faisait pas confiance. C'est ça qui ne te faisait pas confiance. Pourquoi venir mentir? Pourquoi venir mentir? Parce que, comment dire, dans les querelles, tout est permis. Moi, je ne me permets pas. Moi, quand je me querelle avec quelqu'un, je dis les vérités. Et ça ne chauffe pas. Ça a pris le temps que ça a pris. Voilà Ngossa maintenant. Là. Tout ce qu'elle dit sur Ngossa, là, voilà ça qui est en train de venir. Petit à petit, comme Rosa m'a dit. Vous allez tout entendre, tout ce que je vous ai dit auparavant. Parce que c'est ça, le cœur de quelqu'un, une personne qui n'est pas vraie. Tout finit toujours par se savoir, tout finit toujours par sortir, quel que soit le temps que ça prend. Donc les amis, le seul conseil que je peux vous donner, moi, j'applique même déjà d'abord ça. Ça parce que voilà Ndale qui est là. Où on est partout, on a commencé à insulter Ndale partout. Je pouvais prendre tout partout, on insultait Ndale. Je viens poser là mon direct ici. Je commence à jouer où on insulte Ndale. Mais moi, je préfère l'insulter moi-même que de prendre les recheveux comme elle est fait là. Elle prend ou elle m'insulte, elle vient décrypter, elle me nettoie avec. Moi, ça, franchement, je trouve ça de la bêtise, quoi. Si tu n'aimes pas quelqu'un, prends ton direct, tu insultes la personne qui suit ça. Moi, j'ai commencé à faire ça, après j'ai arrêté les conneries là. De prendre ou on insulte quelqu'un pour me venger, commence à dire que moi, je préfère venir moi parler moi tranquillement, dire que voilà ça. Si je commence à prendre partout tous mes ennemis qui m'insultent là, je commence à prendre partout on les insulte, mon blog va devenir quoi? Qu'est-ce que mon blog va devenir? Les gens vont me fuir parce qu'ils disent que m'attend celle-là. Donc elle se venge, elle insulte sur pas sous couvert, comment on dit souvent ça? Par procuration. Parce que la personne voulait t'insulter depuis, mais elle profite d'un direct d'une autre personne pour venir te dire les mots. Et ça, je trouve ça injuste. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les gens font leur blog avec ça. Les gens font leur blog avec ça. Ils s'en foutent complètement des dégâts collatéraux pour, tout simplement parce qu'elle a la haine envers toi. Elle prend ou elle t'insulte pour se venger. Mais tu n'es pas content d'une personne, mais insulte la personne. Est-ce que moi, pour insulter Ndale, j'ai eu besoin d'aller prendre les directs de tous ces détracteurs-là pour venir me poser sur ma page, pour écouter leur voix bizarre là, juste parce qu'ils doivent insulter Ndale? Non. Je pose ma caméra. Je dis ce que j'ai à dire, je quitte derrière les problèmes, j'ai pas besoin de renfort. J'ai pas besoin. Apprenez honnête envers vous. C'est pour ça que vous voyez souvent que les gens se vengent.
Moi aussi, j'aurais pu me venger aussi quand tout le monde insultait Ndala. Je peux aussi bien me venger. Je viens, je pose où elle insulte, je fais pareil comme elle. Mais pourquoi? Ça sert à quoi? C'est toujours pour le gagne-pain. Ndala me mange quoi? Elle ne mange rien sur sa page là. Mais je ne sais pas pourquoi elle fait tout ce décrypte. Elle décrypte tout ça dans ses directs là. Alors, elle n'est même pas. Elle est en train de bientôt arriver à 10 000 abonnés. Mais pour le moment, elle ne mange rien. Mais regardez tout ce qu'elle fait sur sa page. Il n'y a que de la saleté dans sa page. Que de la saleté. Parce qu'elle prend les réchauffés des autres. Elle vient l'insulter, elle vient l'insulter, elle vient l'insulter, elle décrypte l'insulte. Mais pose ta caméra. C'était pas pour contenu là-bas. Tu nettoies la personne et ça ne chauffe pas. Tu n'as pas besoin de prendre, on entend les voir ou casse-casse des gens dans vos pages. Et vous voulez faire genre, vous avez les contenus. Vous avez quel contenu? Vous avez le contenu de rien du tout. Ça sert à rien de dire que vous avez les contenus. Contenu de quoi? Vous prenez les voix des roucascas des autres personnes, vous venez me poser dans vos pages. Après, vous vous permettez d'insulter d'autres personnes. Ouais, hein? Tu as bien. Oui, voilà. Oui, c'est une pétasse, non? Oui, c'est maman a faux pied. Maman a BTS. Maman a ceci. Pourquoi vous cherchez les raccourcis? Prenez vos caméras, vous assumez. On quitte ça, ça ne chauffe pas. Donc, sur ce. Eh, mais c'est clair. Franchement, ça sert à quoi? Ben oui, on ne peut pas être libre, exactement. Exactement. Tu sais pourquoi je t'apprécie, Ndolo Bis? Parce que toi-même, tu connais. On a un moment, on a un même enfant. C'est toi-même qui avais dit. Oui, oui. Oh. Donc, les amis, je vous assure, hein, moi, quand je suis avec les gens, moi, c'est pour ça que vous voyez souvent que j'ai eu du mal à insulter Ndale. Parce que Ndale, c'est une personne que j'admirais, voilà. Parce que quand elle décrypte, elle était objective. Mais maintenant, elle décrypte, elle insulte les gens maintenant dans ça. Et moi, franchement, elle est quittée dans mon cœur. Quand je l'ai respecté le peu que je pouvais. Maintenant, là, c'est fini, ça. C'est fini, c'est une fois, je dis souvent que les gens que j'apprécie, quand les gens là m'insultent au départ, je reste dans mon coin, je prends sur moi parce que ça me fait tellement mal. Pour ne pas venir pleurer devant tout le monde, je préfère moi rester moi tranquille parce que c'est une personne avec qui, quand ça n'allait pas, m'appelle et me dit que oui, Ndolo Moulema, oui, c'est le game de Facebook, c'est machin, oui, je prenais ça sur moi, mais après, c'est elle-même qui a voulu que je lui manque de respect. Je ne sais pas qu'est-ce qui était derrière elle, c'est de quoi sa motivation pour s'acharner sur moi comme ça là. Malgré que Cashmon y a parlé, malgré que les gens qui nous aimaient à deux, beaucoup de gens qui nous aimaient, il y avait ma Rosane qui était là entre les deux coups, il y avait ma Dipendichou, Cashmon, les gens qui nous aimaient à deux, divisaient toujours les gens comme ça là. Moi je comprends pas comment vous arrivez à avoir le cœur là. Je ne comprends pas. Mais bon, ils nous aiment comme ça, nous toutes. On a qu'à se respecter. Et Ndale, toi tu me prononces encore, moi je reviens encore sur toi. Le jour que je me suis calmé sur toi, tu es revenu, tu as insulté mon combo comme quoi c'est Lolo. Alors que tu n'as même pas cherché à savoir ce que c'était quoi exactement. C'était pas le gombo en tant que tel. Mais j'ai seulement dit sauce gombo. Parce que je ne connais pas comment il fallait parler la catéla, comment il fallait dire la catéla. On m'a dit que tu as insulté, je suis allé écouter parce que moi je dis toujours aux gens, je vous en supplie les amis. Quand on vous dit qu'on vous insulte quelque part, allez dans ce direct, prenez de la peine pour aller dans ce direct et écoutez. Parce que vous savez que les nos followers, hein, parfois ils aiment nous voir en guerre. Nos followers, certains followers aiment nous voir en guerre, aiment nous voir nous déchirer, aiment nous voir être vraiment pas bien. Donc je vous en supplie, quand on vient dire qu'on a parlé de vous, allez écouter d'abord avant de venir lancer le direct pour insulter la personne. Parce que nous, toutes là, on est tous impulsifs. Ça ne laisse personne. On est tous impulsifs, ça ne laisse personne. Donc, prenez de la peine. N'écoutez pas seulement que oh, on t'a insulté. Allez toujours vérifier. C'est très important, les amis, que de vous faire ridiculiser et insulter pour rien, alors que peut-être la personne a seulement dû dire un truc, donner un conseil ou je ne sais pas quoi. Et on vient vous dire, les followers viennent vous déformer ça ou détourner ça. Faites très attention par rapport à ça. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Passez un bon après-midi, une bonne soirée. Bah, soirée, c'est pas encore là. Donc, nous sommes jeudi, hein. Le week-end s'annonce là, Donc, prenez soin de vous. Moi, je suis là, je vais écouter. Comment tu vas, maman Pauline? Est-ce que tu vas bien? Ouais, maman Pauline, pourquoi tu fais les yeux comme ça? Ouais. Non, c'est ça, je vous laisse. Merci, maman Sylvie Ténier. Oh, merci, oh. Que Dieu te le rende au sanctuaire. Merci pour tes cœurs, ma mère. Sincèrement, ça me vient du fond du cœur. Merci.
que Dieu te le rende, que Dieu remplisse tes poches, que ce que tu as dépensé là, que tu aies le retour de ça, oh ma mère. Merci. Et bonne journée. Bye à vous. Je vous aime. Restez comme on est. Ah, super, maman Pauline, super. Ah! Et te wanda avec quoi, maman Pauline? Et te wanda avec quoi? Non, c'est ça. Je vous laisse. J'ai, quoi que j'ai trop bavardé. Les histoires de Facebook, là, ça prend trop la tête. Ça prend vraiment trop, trop la tête. Donc, j'essaie vraiment d'éviter les problèmes au maximum. Mais bon, c'est pas facile. Donc, je vous laisse. Ciao.